Faut que j'arrête du coup. Faut qu'on discute quand même un petit coup. Que je vous transmette mon stress. Attendez, attendez, ça va siffler. Pagadi babi boubi bouboudi de boubidou bidou. Non mais en fait Queen, Fall Guys ne fonctionne pas. Les serveurs sont down. Donc ils nous ont dit, bah vous allez faire des parties de Golf It. Si ça ne refonctionne pas, à 19h20. Donc envoyez tout ce que vous pouvez pour que Fall Guys refonctionne, je vous en conjure. Allez, j'arrive. Bonjour, bonjour, bonsoir d'ailleurs, bonsoir, il est tard, mamie est fatiguée, bonjour tout est rouge, nous sommes aux couleurs des justiciers aujourd'hui, coucou, bonjour tout le monde, ça va le chat y passe, c'est ok, bonjour Skull Kid, bonjour Frenegonde bien sûr, bonjour Mandos, bonjour Nejda, j'espère que tu vas bien. Bonjour Dungeon Keeper, bonjour Jenny, bonjour Perceval, bonjour Max, bonjour Linail, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Coucou Luciole, coucou Deck, coucou Canouille, coucou Pastèque Bleu, n'hésitez pas à me ping si je vous oublie bien sûr. Bonjour Blood, coucou, j'espère que ça va aujourd'hui, que vous avez passé une bonne journée, un bon mardi, un bon lundi également. Coucou Morgan, coucou, coucou Meister aussi, tic tic, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Coucou Foronopsis, comme ça je vais pouvoir tous vous transmettre mon stress, ça va être génial. Coucou Maïto, coucou coucou, il fait déjà extrêmement chaud chez moi, c'est terrible. Alors que la lambada. Alors là je pense que c'est le moment où c'est un peu enjaillé, oui ça doit être ça. Alors attendez, coucou Maya, coucou, j'essaye de pas vous oublier. Hein. Coucou Pyro, coucou Jean-Pierre Pimpin. Petit coucou furtif, c'est un amour. Tic tic tic, coucou Monsieur Lou. Je crois que... Coucou Martio. Je sais pas si j'ai dit. Coucou Queen. Coucou. Coucou Caris, coucou. Coucou Lou. Alors non Lou, les serveurs Fall Guys sont down. Donc en fait, ils veulent nous faire faire que du Golf It. Ça veut dire que j'ai train pour rien. Enfin, qu'on a tous train pour rien, du coup. Coucou Gaïa, coucou. C'est vrai que je suis un rocher. C'est vrai que je suis un rocher. Alors, vous avez vu, j'ai refait. Vous avez vu, j'ai fait spécialement des couleurs rouges. Même la lumière est rouge. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez... Franchement, je vais baisser le son, dans... je m'entends trop fort. Au secours. Ok. Merci beaucoup Caris pour ton 16e mois de soutine. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien aussi. Coucou Feldrin, coucou. Bien sûr, je suis un rocher. On peut faire tomber les serveurs Golf It. Alors ça, franchement, ça arrive. Mais je préférerais que tu répares ceux de Fall Guys plutôt. Si t'as les compétences. Si tu as les compétences. N'hésite pas à réparer Fall Guys plutôt. Aïe aïe aïe. Donc voilà, ouais, j'ai tout mis en rouge. J'ai tout mis en rouge pour que, pour que ça soit vraiment aux couleurs. Donc en bas, vous voyez, là, je suis toujours très douée pour montrer les endroits. Ici, là, là, si vous souhaitez bien sûr vous renseigner sur tout ça, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a également la commande point d'exclamation abandon, qui est la même que point d'exclamation battle day, bien sûr. Non, c'est peut-être pas la même. Peut-être que c'est non à l'abandon aussi que j'ai mis, je sais plus. Je ne sais plus, ça fait déjà un petit moment que j'ai fait. Donc voilà, tout ça c'est prêt. Normalement, je suis pas trop mal. Je vais vous montrer le reste des choses que j'ai faites. Coucou Adam! Je vais vous montrer le reste des choses que j'ai faites. Attendez, mamie... Comment on fait? Attendez, j'essaye d'ouvrir un PDF. C'est compliqué, hein? Oula! Arrête. Ok, mode lecture. Là, je crois que c'est bon. Alors, regardez. Coucou Faber, coucou! J'ai même pensé à changer les scènes sur mon stream deck, ce qui fait que la scène de jeu, il n'y a pas de jeu. Mais regardez en bas, là-bas, à l'opposé de là où il y a mon doigt. Là-bas! Regardez le petit logo et tout, c'est joli, hein? Paf, ça change, vous avez vu? Voilà, bref.
Oui, il faut que je mette mes lunettes. Donc ça, c'est la scène... pour les jeux. Donc j'ai quand même mis un petit fond, quoi. Et ça... Ça, c'est la scène, s'il y a besoin d'un navigateur, hein, bien sûr. J'ai même installé Firefox. Comment on fait pour enlever ça? Jamais affiché. Voilà, j'ai même installé Firefox. Comme ça, je ne risque pas de leak mes données. Parce que c'est souvent ce que je fais. Donc voilà. Et encore un autre truc. Regardez-moi ça. Donc il faut que j'enlève celui-là. Alors attends, je verrouille avant de faire une connerie. J'enlève ça, et je rajoute ça, et voilà. Vous avez vu? Coucou Tess! Vous avez vu? Vous avez vu? Elle a bossé un peu, hein. Elle a un petit peu bossé. Oh, j'ai rien scalcool! Merci beaucoup Yascalcol pour le 23e mois d'abonnement. Donc je le répète, j'ai désactivé les récompenses de points de chaîne, et j'ai désactivé le TTS. Parce que si jamais pendant le quiz, il y a des petits rigolos qui veulent mettre des bits, des machins pour donner les réponses. Voilà, c'est pour éviter la triche. Donc j'espère que tout le monde va bien et que vous m'en tiendrez par rigueur. Je les remettrai bien sûr pour le prochain live. Donc regardez, donc ça, ce que je vous montre là, c'est le PDF qu'on va lire ensemble. Voilà, au sujet de l'abandon des petits poupounis. Quel qu'il soit bien sûr, hein, parce que figurez-vous que j'ai appris plein de choses. Et que j'espère que je vais vous les apprendre aussi, mais on ne parle pas que des chiens et des chats, même si c'est les animaux qu'on, je dirais, qu'on connaît le plus. J'imagine que c'est plus sympa à faire que les entraînements Goldfit. C'est factuel. Et du coup, eh ben, j'aurais peut-être mieux fait de m'entraîner sur Goldfit et pas de refaire tout ça. Mais bon. Voilà. Le 24... Ah oui. Ah oui. Mais d'ailleurs, il va falloir que je rachète des bougies. D'ailleurs, il faut que j'ouvre Discord dans un coin. Ah, il y a une game test. Alors, je vais pas la faire vu que nous, on est en live. Visiblement, ça remarche chez certaines personnes. S'il vous plaît, faites que ça marche. Envoyez toutes les bonnes ondes, là. Envoyez toutes les bonnes ondes que vous pouvez pour que... Erreur de mon côté. Non. Ok. Donc les games solo refonctionnent visiblement. Alors peut-être qu'il nous reste 7 minutes pour que ça fonctionne. Bordel de cul. Au secours, au secours, au secours. Non mais il faut absolument que ce soit Fall Guys. Sachez qu'il fait 27 degrés, que j'ai extrêmement chaud. Ça va être complexe. Parce qu'en plus, je suis stressée, donc j'ai encore plus chaud. Voilà. Ah tiens, la musique qui dépasse, là, c'est pas très joli. Tant pis. Croisez tout ce que vous pouvez. Je reste sur le brief. Comme ça, je vois ce qu'il en est. Bien sûr. Bon alors, en tout cas, on est ici, aujourd'hui. Pour sensibiliser sur l'abandon des animaux. Car le saviez-vous, il y a 100 000 poupous qui sont abandonnés par an. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 100 000 poupous abandonnés par an en France et qu'il y en a sur ces 100 000, 60 000 en cette période d'été? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je suis scotchée, hein, sur le cul des chiffres. C'est lamentable. C'est plus que lamentable. Ça me termine. Franchement, je lisais les trucs, ça me terminait. Il y a d'ailleurs certaines parties du site que je n'ai pas lues parce que je ne pouvais pas, c'était trop pour moi. Non. Là, ça, j'aurais dit plus que ça. Eh ben, ça a beaucoup diminué. Alors, on va fouiller au fin fond de sa mémoire, mais je crois que il y a 20 ans, c'était un nombre encore pire, quoi. En période d'été, je crois que c'était dans les 400 000 et on est passé à 60 000. Donc on va dire qu'il y a du mieux, mais on est en 2022, hein. Oh. J'ai envie de mettre des baffes. Non, mais on est d'accord. Et encore, j'ai envie de dire, c'est les animaux abandonnés qu'on sait qu'ils ont été abandonnés. Hein?
Des bisous, Jean-Pierre Pimpin. Bisous, bisous. Bonne soirée à toi. Question peut-être con. Il y a des conséquences pour les gens qui abandonnent leurs animaux. Alors, il faut savoir qu'avant 2015... Non, mais vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Hein. Avant 2015, les animaux étaient considérés comme un bien meuble. Donc, t'en faisais ce que t'en voulais, en fait. Il n'y avait aucun souci. À partir de 2015, les animaux ont... Il y a une loi qui a été votée. Les animaux sont considérés comme des êtres sensibles. Non, si. Des êtres doués de sensibilité. Un truc comme ça. Ce qui fait que depuis 2015, déjà, la maltraitance, tout ça, c'est... enfin, et encore. On va dire que tu encours des poursuites quand même. Mais oui, quand tu abandonnes un animal, c'est un acte de cruauté. C'est considéré comme acte de cruauté et je crois que tu peux faire 3 ans de tôle et 30 000 euros d'amende. Jure docteur maison ! Wouhou ! Il n'y a pas de donation goal. Alors il n'est pas question de don aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout caritatif, c'est uniquement un tournoi entre streamers. Voilà, sachez-le. Par contre, si vous voulez donner à 30 millions d'amis, il n'y a pas de souci, vous allez sur leur site. Mais en tout cas, moi je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous sensibiliser, même si vous l'êtes déjà. On va dire qu'on va essayer de sensibiliser des petits nouveaux. Parce que moi, je vous connais et je sais que vous êtes des bonnes personnes. Donc voilà, maintenant, c'est passible de 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende, je crois. Et s'il y a maltraitance plus, ça doit peut-être même plus, peut-être 5 ans de prison. Voilà. Coucou Anto, comment ça va? Tu pouvais même gagner des animaux comme les poissons. Exactement. Et ben sachez-le. Du coup, je l'ai appris parce que moi, j'étais persuadée qu'on n'avait pas le droit, maintenant là, en 2022, de vendre des chiots et des chatons dans les animaleries. Et visiblement, on a le droit. Donc en fait, il y a une loi qui, il y a un truc qui a été promulgué en décembre 2021 de mémoire. Pour 2024. Tranquille. Voilà. Ça me termine. Franchement, ça m'a terminé. Tous les trucs que j'ai lus, ça m'a terminé. Oui, oui, Tess. Donc en 2024, normalement, la loi va passer. Et on n'aura plus le droit de vendre ni des chiots, ni des chatons en animalerie. Et je crois que la vente aussi des particuliers sera interdite. Voilà. Oui, alors il y a aussi un sujet moi qui me tient, je crois que c'est ce qui me tient aussi plus dans, enfin j'allais dire le plus à cœur, mais en fait tout me tient à cœur. Mais c'est la stérilisation des animaux, parce que pareil là les chiffres, c'est genre par exemple un couple de chats sur 4 ans, ça fait 20 000 chats sur 4 ans, deux chats qui ne sont pas stérilisés, un couple qui n'est pas stérilisé. C'est 20 000 chats de descendance. Donc stérilisez vos animaux. Stérilisez-les. Et t'as toutes les assos, 30 millions d'amis, bref, toutes les assos, même chez vous, qui sont pas liés à 30 millions d'amis, qui luttent au quotidien pour essayer d'attraper les animaux sauvages, les animaux errants, qui à la base sont peut-être certainement des animaux abandonnés au passage, et qui tentent de les stériliser. Combien ? 20 000. 20 000. Et qui luttent pour attraper ces chats-là, souvent en piteux état, pour les stériliser. Ce sont des chats ou des lapins? Mais non, mais c'est ça qui est impressionnant. Bah quand tu vois, je sais pas combien peut être une portée d'un chat, mais je crois que tu peux avoir au moins 6 ou 8 chatons, peut-être même plus, qui eux-mêmes auront à chaque fois énormément de chatons. Voilà, c'est compliqué quoi. Bonjour The Fouliki. Oui, non mais il faut stériliser les bestiaux, c'est pas... Voilà, je me rappelle, j'avais un collègue qui était déjà chasseur, donc moi, c'est pas quelque chose que... Voilà, bref. Et qui refusait de stériliser ses animaux parce que c'est la nature. Mais moi, ça me fume, hein. Il y a eu long débat, hein. Il y a eu très long débat, hein. Coucou Majo ! Il y a eu des grosses disputes parce que voilà, quoi. Il y a un moment... Il y en a trop. Il y en a trop et on les laisse souffrir dehors. Ça me termine. Stériliser les chats, c'est obligatoire chez moi. Ben, ça devrait être obligatoire partout. Mais après, le problème, c'est toujours les gens. Hein, tu sais, les trucs clandestins, les machins comme ça, quoi.
Le problème de la stérilisation, c'est que ça coûte un peu cher. Bah tu vois, regarde... Allô, janitor, allô. Coucou, janitor. Tu vois, regarde, par exemple, moi, Napo, je suis allée le récupérer dans un refuge. J'ai laissé un chèque de 40 euros de caution. Je devais faire stériliser Napo, parce que c'est un chaton. Et auquel cas, ils encaissaient mon chèque. Moi, je suis allée faire stériliser mon chat. J'en ai eu pour 100 balles. Et je leur ai laissé les 40 euros, ça après, mis à part. Mais si tu ne voulais pas le faire stériliser, ça te coûtait simplement 40 euros, quoi. C'est quand même... C'est, moi, je dis, ça devrait être obligatoire. Et c'est comme l'identification, hein. C'est obligatoire, hein. Quand vous récupérez des chats sur le bon coin, les machins et compagnie, c'est pas légal, hein. Je sauve et stérilise les chats errants de ma ville et ses alentours grâce à des assos et des vétos sympas. Voilà, mais c'est... Mais... Il faut mettre les gens mauvais sur la place publique, hein, moi je dis. Attendez, il y a du ping. Ah, chat en emote only. Ok, 47 questions. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez, si Fall Guys fonctionne, émission solo 3, environ une heure. Ok. Il faudra pas que je leak. Attention, hein, il faudra pas que je leak. Voilà. Ça, c'est important. Je sais pas si la commande leak est toujours là. Je sais pas si la commande leak est encore là. il faudra vraiment que je reste ici. Voilà, il faudra que je reste là. Et que tant que je suis pas dans la partie, il faudra que je reste là. Et dès que je suis plus dans la partie, il faut que je me remette là. Au secours, au secours. Oui, c'est bon, elle est là. Parfait. C'est bon. Merci. Coucou Jax. Golfit. Winterland, fais chier! Oh, collision active, aïe aïe aïe. Ne pas leak. Ok. Oh, Fall Guys remarche! Let's go! On va pas se taper des golfs de l'art! On a peut-être une chance! On a peut-être une chance, les gars! On passera peut-être en phase 2. Enfin, on a plus de chance que si c'était que du golf. Let's go! Ah, pardon. Excusez-moi, je suis en forme. Pas du tout, je suis fatiguée. J'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde. Si jamais je vous ai loupé, n'hésitez pas à me taguer. Animal castré égale bouffe adaptée. Donc frais en plus, ne pas oublier tout ça avant d'adopter un animal. Un animal coûte cher. Voilà. Ça, il faut le savoir. Moi, j'avais pris Napo. Et ben, il m'a vidé tous mes comptes en banque parce qu'il a eu plein de soucis de santé. Mais je lui donnerai tout et je ferai tout pour qu'il soit bien. Mais sachez qu'un chat, un chien, peu importe l'animal que vous prenez, c'est contraignant. Il faut être responsable, il faut l'assumer jusqu'au bout. Des frais de veto, partir en vacances. Ça fait 5 ans que je ne suis pas partie en vacances parce que Napo, j'ai jamais eu de solution pour lui. Eh ben, je pars pas en vacances. Et puis c'est tout. Et puis j'assume, j'ai pris un chat. Voilà. N'abandonnez pas vos poupous. Au secours. Pauvres bestiaux. Ils sont tellement gentils. Attendez. J'ai envie de lancer Fall Guys. Enfin, je sais pas que j'ai envie, mais c'est que je vais lancer Fall Guys, voir quand même. C'est coûte cher, mais c'est un grand amour. Exactement. Après, voilà, il faut aussi bien nourrir vos animaux. Ça, c'est un truc qui me tient aussi à cœur. C'est que donnez pas de la merde à vos bestioles. Plus vous leur donnerez de la merde à manger, et quand je dis merde, c'est Friskies et compagnie. Plus vous aurez des frais de veto, en fait. Donc vous pensez que, voilà, financièrement, machin, mais en fait, vous leur payerez plus tard. Je recale des animaux abandonnés. On trouve 30 chats, 15 chiens et compagnie, mais je préfère passer mes sous à sauver des animaux que de partir en vacances. Non, mais c'est... Après, voilà, c'est quand on prend un animal, on l'assume, mais il faut avoir conscience, parce qu'on n'a pas forcément conscience des frais que ça coûte. Parce que moi, par exemple, dans mon exemple... Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Le jeu! Moi, pour mon exemple, j'ai eu que des chats de famille qui n'ont jamais eu trop eu de soucis. Voilà. Donc, pour moi, je ne m'y attendais pas à aller tous les mois chez le véto. Voilà. Et d'ailleurs, Napo... Il n'est pas là. Après, qu'il vient nous faire un petit coucou, quand même. Le jeu dissident, ouais, qui crie comme ça, là. J'ai peur. Je suis stressée. Enfin, en tout cas... que je gagne ou que je perde à Fall Guys, on s'en fout. Si je perds,
on fera le petit point sur le PDF. Si je gagne, on fera le petit point sur le PDF après quand même. Voilà. J'aurais peut-être dû démarrer plus tôt et parler de ça avant. Mais voilà. En tout cas, on est là pour ça aujourd'hui. Pour les poupous, c'est l'objectif. Qu'on gagne ou qu'on perde, on s'en fout. Le principal, c'est que le message il passe. Donc voilà. Voilà. Oh, je vais... Non, mais en vrai, Fall Guy, c'est de la RNG. Donc soit on l'a, soit on l'a pas. C'est franchement, Fall Guy, c'est soit tu l'as pas. C'est... Il n'y a pas, il y a pas d'autre truc, c'est soit tu tombes que sur les pires maps, soit tu tombes sur les maps où c'est à peu près ok. Et t'es pas dans le flou des gens, dans le flou des gens et c'est ok. Ensuite le quiz, bah ça va être très compliqué, surtout que avec le stress, moi j'oublie tout ce que j'apprends. Donc déjà que de base voilà. Mais voilà, l'objectif qu'on gagne, qu'on perde, c'est de passer le message. Alright, elle est là, ou. Coucou Exo. Tu es capable. Bah en vrai Fall Guys c'est bon. Enfin c'est bon, c'est, ça fait déjà du mieux que Golfi. Après le quiz, je viens de me rendre compte que en essayant d'en parler j'ai tout oublié. Let's go. Donc on verra. Mais on se rappelle hein, on est là pour passer un message. Vroom. On n'abandonne pas les poupous. Quand on adopte un animal, on l'assume jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Si ils vous ont rien demandé, respectez-les. Mais on regardera, en plus, il y a plein de chiffres et c'est horrible. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Et bah voilà, moi je disais 30 000, mais c'est 45 000. Voilà. C'était toi, Pyro, je crois, qui demandais tout à l'heure. 3 ans de prison, 45 millions d'amende. 45 millions, si seulement. 45 000 euros d'amende. Voilà. Right. Et c'est malheureux qu'on doive signaler ce genre de choses pour faire peur aux gens, en fait. Je trouve. Mais bon. Et d'ailleurs, ouais, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des spots de pub, de campagne, de 30 millions d'amis, et ça commençait avec We are the champion of the world, avec mon bel accent anglais. Et je me souviens que ça finissait le message par ouais, super, on est champion du monde de l'abandon, quoi. Voilà, la France. La France! Sachez-le qu'on est les meilleurs hein, là-dessus. Hein. On est les plus forts, hein. C'est bien. Les sanctions sont vraiment trop faibles par rapport aux crimes commis, je trouve. C'est un début. Il faut se dire qu'en 2015, avant 2015, l'animal était considéré comme un bien meuble. Est-ce que tu te rends compte qu'un animal avait autant de valeur que cette manette que je vais péter sur Fall Guys? Est-ce que tu te rends compte? C'est quand même fou! C'est comme tout, la punition marche souvent mieux que l'éducation. Bah ouais. C'est malheureux. Voilà, mon chat est une chaise. C'est terrible hein, quand même de se dire ça. De se dire qu'il a fallu attendre 2015. C'est pas si loin 2015. Et il a fallu attendre fin 2021 pour ce que je disais tout à l'heure là, de l'interdiction des ventes de chiots et de chatons quoi. Ça me termine. Ça devrait déjà être interdit. Ça me bute. Franchement, ça me bute. Ça me termine, hein. Franchement, ça me termine. Voilà. En tout cas, sachez, il y a un truc qui est vraiment très cool pour ceux qui partent en vacances, parce que c'est bientôt les vacances. 30 millions d'amis, ils ont fait un site, une plateforme, vacances entre amis, je crois que ça s'appelle. Vacances entre amis, et ça permet de pouvoir s'organiser, de partir en vacances sereinement. Genre, bah, vous avez les plages où les chiens sont acceptés, par exemple. Vous avez des trucs de gardiennage, machin, c'est franchement trop bien. Et du coup, j'ai joué le jeu, j'ai fait pour Napo. Et on m'a envoyé par mail un PDF avec les conseils pour que mon chat soit le moins stressé et tout ça. Franchement, trop bien. Donc si jamais... Voilà. Non, mais moi, Napo, je vais le laisser chez moi. Napo, je vais partir là une semaine fin août. Je vais le laisser chez moi et normalement, Sin viendra vivre à la maison pendant une semaine. De toute façon, Napo, il ne supporte pas de pas être chez lui, donc... Je vais respecter son truc. Sinon, je l'emmène avec moi, hein, mais c'est pour lui éviter du stress. Coucou Larina, coucou!
Il y a malheureusement plein de choses qui nous semblent ahurissantes, mais qui sont toujours pas réglées. Ça, c'est affolant. C'est affolant. Est-ce que Napo supporte aussi... Napo aime tout le monde. Napo aime tout le monde. Il a d'ailleurs une tendance pour les hommes. Voilà, il a une petite préférence pour la gente masculine, Napoléon. C'est souvent très frustrant quand tu es sa maman et que tu le vois toujours partir vers les hommes. Mais bon, c'est comme ça. C'est Napo. Il préfère les vétos. C'est comme ça. Il préfère la gente masculine. Ma foi. En tout cas, je suis très très contente que ça soit Fall Guys. On a un peu plus de chance que Goldfit. Hein. Napo aime tout le monde tant que l'homme lui donne à manger, vrai. Mais non, Napo, il aime quand même vraiment. Non, franchement, je crois que Napo, il pourrait pas être sans les êtres humains. Oh, let's go! T'as un chien qui s'appelle Napo! Trop bien. J'espère qu'il est gentil. Ça arrive dans 5 minutes! Attention à bien cacher vos scènes! Il faut panique! Au secours, il faut panique! Il faut panique! Je vais leak. C'est sûr que je vais leak. J'ai préparé mes scènes, mais c'est sûr que je vais leak. Au secours! Au secours! Leak pas! Leak pas! Et merci de pas quitter le lobby entre les games. D'accord. Il faut pas que je quitte le jeu. Ah, mais si on plante, comment on fait? Crac dur, t'es encore là? Parce que moi, l'autre jour, je plantais. Je plantais à tout va, j'étais obligée d'Alt F4 le jeu. Je coupe le live? Ah, on peut faire ça. Moi, un jour, si j'ai un autre chat, il s'appellera Pompadour. Et j'aimerais bien que ça soit aussi avec Napo, que ça serait Napoléon et Pompadour. Trop drôle. Lancez le jeu, préparez-vous. Le jeu est lancé. Du coup, plus possible d'être éleveur particulier. Non, je pense qu'il faudra être éleveur reconnu comme une entreprise, quoi. Je pense. Just chatting. C'est bon, j'ai pas leak. Je leak rien. Au secours, au secours, au secours, au secours. Attendez, je m'enlève mon... Je m'enlève moi. Voilà. Et j'attends qu'on me donne le mot. Je leak pas, je leak pas, je leak pas. Non, faut pas que je leak. Bon après, c'est bon, mais personne va venir, mais bon quand même. Ouais, avec un numéro tiré, exactement. Puis avec des contrôles qui vont être drastiques, je pense. Et je le souhaite. C'est déjà le cas. Bah, tu disais éleveur particulier. Si t'es éleveur parti, si t'es particulier, pour moi, t'es pas déclaré. Je sais pas trop. Mais je pense que tout ce qui est déclaré, voilà, il y aura que des trucs déclarés, quoi. Mais comment contrôler un gars? Bah, tu sais, ils viennent, hein. Logiquement, si t'es déclaré. Ah, ou un particulier qui fait déporter à son chien? Non, ça, malheureusement, à part les visites chez le véto, tu vois. Le vétérinaire, peut-être. Voir avec ça. Ouais, les chiens de race, bah surtout, je pense, les catégories 1 et 2, tu dois être obligé. Sauf je pense que tu n'en trouves pas à la vente, de rien du tout. Oh non, Mara! Merci beaucoup, Mara! Je sais pas, j'ai pas vu! Merci beaucoup, Mara! On n'a pas eu l'alerte, mais merci, Mara! Mara! J'espère que ça va, Mara! Si, ça va changer, il faut avoir l'espoir. C'est important. Vous entendez le jeu, hein? C'est terrible. Pire jeu. Ma manette! Écouter de la bonne musique, au secours! Alors attends, faut aller où? Attendez, 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 faut pas que je fasse de conneries. Choix de l'émission, émission personnalisée, rejoindre. Choix de l'émission, émission personnalisée, rejoindre.
Mais tant mieux, Anto. Des bisous, bisous, Mara. Tant mieux hein, que ça fonctionne, hein, parce que... Oh, par contre, je suis pas du tout dans un état de concentration. Là, vous me connaissez, hein, quand je suis en live... j'ai fait quelques topins en off, mais alors en live... Il y a le code... En live, moi, J'ai pas leak. Par contre, je mets les binocles. J'ai pas leak, je suis encore en full screen. Arrêtez. Par contre, faut me dire quand j'ai oublié de remettre la scène, hein, parce que du coup, je me vois pas. Coucou, Mr. Rapace. Bon, je mets les binocles. Alors, j'ai changé mon skin. Voilà. J'ai pas leak. De toute façon, même si je leakais sur cette chaîne, vous iriez pas dessus. Vous êtes trop gentils. Non, j'y suis plus queen. J'ai parce que ça... En fait, j'avais du mal à me repérer. C'était trop. Il était trop imposant, le costume. Je suis comme ça. Hein. Non, je grappe pas. Je peux pas me faire insulter. Moi, je suis prête. On est 49. Ah, j'ai mis les lunettes. Bon, là, je lâche Rin. Là, je donne tout, moi. Ah non, mais j'essaye. Hein. J'essaye. Mais après, je suis trop en stress. Puis la pression, en général, je fais que des conneries. C'est pas grave, le fun. Gardez calme. Non mais vous savez comment je suis, vous me connaissez quand même. La pression, la voix. Pour le fun, oui. Ouais. C'est le fun, ouais. Ouais. Ah, on est des rochers. Je suis pas en face de mon écran. Putain, j'ai envie de me baffer. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, voilà. Je suis contente quand même qu'on fasse ça. C'est cool. Par contre, ça fait bizarre d'avoir toutes les scènes en rouge et tout. Ça fait trop bizarre, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Faudra que je repense pour demain à tout rebasculer. Ça va être quelque chose, ça aussi. Hein. Quand le filtre rouge. C'est pour ça. Ouais, ça fait bizarre, hein, on n'a pas l'habitude. Après, bon, il fallait marquer le coup quand même. Que ça soit la charte de 30 millions d'amis. C'est important. 53 sur 60. 54 sur 60. Au secours, je m'arrache tous les doigts. Je suis en PLS. Jurnex. Une deuxième grossesse. Merci beaucoup, Lex, pour ton 18e mois de soutien. Merci beaucoup. Ah, c'est peut-être le kappa, The Fully. The Fully Guy. Le kappa n'est pas accepté sur cette chaîne parce que les kappas sont méchants. Non, docteur Maison, j'ai désactivé temporairement pour le live d'aujourd'hui que je puisse être concentrée dans le jeu. Parce que si j'entends des saucisses qui tombent toutes les deux secondes, je pense que je vais être mort de rire et que je vais du coup pas être concentrée. Pareil, il n'y a pas le TTS. Coucou Sin! Il n'y a pas les TTS aussi, parce qu'en plus, pendant le quiz, il y en a qui pourraient éventuellement tricher en donnant les réponses via le TTS, quoi. Mais les saucisses sont dans notre cœur, les saucisses sont dans notre corps, bien évidemment, parce que les saucisses, c'est la vie. Voilà. Bien sûr. Non, mais il fallait que je me focus. Voilà, comme la Ford, exactement. Bah, tu manges pas de saucisse, Luciole. Un bon barbecue. Saucisse VG, hein, attention. C'est pas chelou, c'est vrai. C'est vrai. Sin, toujours dans les bons coups.
Non, mais Tess, tout de suite. Avec du savon. Je me suis trompée, je voulais mettre foot. Ok. Debout. Allez. Il reste 6 joueurs qui ne sont pas debout. Il ne reste qu'une minute pour join. Les retardataires ne seront donc pas qualifiés. Debout, 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 debout. Vous m'avez manqué. Moi, je suis prête. Hein. Du coup, on peut pas être drôle. Si. Sauf que si. Tac, 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 tac. Non mais au pire, si on perd, c'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est qu'on lira le PDF après. Et que après, je vous rebasculerai chez les participants qui ont gagné. J'espère que So passera. Je suis pas petite. Je ne suis pas petite. Donc il y a quelqu'un qui se fait sortir du lobby. Alors peut-être. Je crois qu'il est fort, lui. Alors, ils ont tous train comme des malades. Hein. Il faut que vous compreniez qu'ils ont tous train pendant une semaine comme des forcenés. Hein. Sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Alors non, je ne suis pas petite et je n'ai pas des yeux de bleu. Je suis super grande, ouais. Bon, j'ai train un petit peu, mais pas... Voilà. Pas énorme, en vrai. Ouais. En vrai, j'aurais dû train H24, mais j'avais pas la foi. Ça m'énervait trop. Immense même. Ah bah 1m67. Oh, mes bonichas! C'est bien des bonjours. Hop là! Tu dis bonjour? Moi, oui, c'est pas l'heure habituelle. T'es tout contrarié. Bon, oui. Non, tu bois pas de mauvais. Ça rompiche! Pourquoi ça rompiche? J'ai pas! Quoi? Merci beaucoup pour les 40 euros, Zef! Je rappelle qu'il n'y a pas de don pour l'asso, hein! C'est pas un truc caritatif, hein! Tout ce que vous donnez, c'est pour Bibi, hein! Je vous le dis! Si jamais il faut rendre, n'hésite pas à me dire! Mais merci beaucoup aux Zef de qui c'est? Pour les 40 euros, merci beaucoup. Aïe aïe. J'aime cette joue au limbo sans souci. Aïe aïe aïe. C'est Anne. Merci beaucoup Anne. Merci Anne. Bon, ils sont chiants. Hein. C'est parti pour le manger de Napo. Merci beaucoup. Ah! Il fallait que je crie. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas, hein? Vous voyez pas? Ça marche absolument pas. Je suis dessus! C'est bon! Je vous lis plus! Soyez sages. J'ai jamais fait cette map. Let's go! J'ai jamais fait cette putain de map! J'ai joué pendant une semaine, je n'ai jamais eu cette map. Let's go! Faut aller où? C'est vous? Non, commencez pas à être pénible! J'ai jamais fait cette map de malheur. Je l'ai pris! Ils vont où eux? Plus simple par en bas. J'ai pris la strat de c'est plus simple par en bas. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Mais j'ai vu des gens, j'ai dit c'est bon. Ils vont où? Ils vont là. Ils ont l'air de savoir où ils vont eux. Le tête! J'ai compris! Casse rien!
Putain, c'était chaud. Ils sont forts. Merci beaucoup Stormbringer d'avoir offert un abonnement à Bibi. Merci beaucoup. Et bonjour Paratonnerre. Bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Bonjour Vengeance Total aussi. Bonjour Kev. Bonjour Clarisse. Coucou. Alors l'enjeu, c'est de sensibiliser sur la cause de l'abandon des animaux par à travers l'association 30 millions d'amis. Si j'arrive à gagner le tournoi, je gagne une place à Game for Animals. Mais n'y croyons guère. Non, alors calmez-vous. Ok. Ils sont vachement forts. Non, ils sont trop. Je sue du cul. Au secours. Allez. On se concentre, on se focus. Je vous embrasse très fort. Non. Putain, je veux pas voir à chaque fois. J'ai fait que 32. Excusez-moi de vous crier. Excusez-moi. J'ai fait 2 points pour l'instant du coup. À chaque fois qu'on passe, alors les règles. À chaque fois qu'on passe un round, c'est 1 point. Si on fait top 1 avec la couronne, c'est 5 points en plus. Let's go. Il faut pas leak. Attention. J'ai le palpitant, vous vous rendez même pas compte à quel point j'ai le palpitant. Le palpitant. C'est quoi ça? J'ai pu. Ouais, j'ai dû la faire une fois à tout casser. Et j'ai dû perdre sur celle-ci. Je palpitant. Le pitant. Ça palpite plus qu'avec Owen à Bata. Ok, let's go. Vroom. L'équilibre. L'équilibre se passe plutôt pas trop mal, comme tout le monde en fait. Arrêtez de pousser! Vous êtes chiant comme la pluie! Oh là là, les pousseurs! Oh là 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 là, bah là, je suis pas dans les premières. Hein. Ça c'est sûr. Oh, j'en ai fait tomber 2, let's go. Ils veulent pas avancer. Oh, j'espère que ça allait passer. J'ai chaud. Let's go, ça allait passer. So what? Ok. Ah ouais, mais c'est top 1 qu'il faut les gars. Hein. C'est top 1 pour prendre une petite marge d'avance au cas où je me plante à un moment. Parce que là, si vous plantez en premier round, c'est terminé. Hein. Vous remontez plus. Hein. Vous remontez plus. Hein. Oh non, pas ceux-là. Je les ai jamais passés. Let's go.
les ai jamais passés, ceux-là. Si je gagne tout le tournoi, une place pour Game for Animal. Ça n'arrivera pas. Laisse-moi tranquille, laissez-moi tranquille! Non, lui, il me regarde de travers, au secours! J'en étais sûr! Wouhou! Pardon. Je sais pas ce qu'il faut faire pour rester en vie. Cours, cours, cours! Au secours! Ok. Je suis zen. Je suis complètement zen. Oui, il m'a vu, il m'a vu! C'est bon, tout va bien. Il faut que j'arrête de faire ça parce que. Oh, il veut mon petit! Laisse-moi tranquille! Oh non! Laisse-moi tranquille. Niche, niche, niche! Mais laisse-moi tranquille! Non, 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 non! 10 secondes, 10 secondes! Chacha! Let's go. Qui c'est lui? Eh, Jory Rock. Il va être trop fort, je vais terminer quoi. Ouais, mais top 2 ça me rapporte que chi. Ça me rapporte que chi top 2. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Voilà, croisez tout. Il y en a que 3. Chacun son côté. Bon, espérez. En général, c'est les gens qui me rattrapent. Mais viens pas vers moi! Mais laisse-moi! Mais fils de... Ta maman, gentille! Il a... C'était sûr, en fait. Il est venu pour me grab! J'ai eu peur! Il voulait me grab! J'ai eu peur! Je me suis... Il m'a fait paniquer, oui. Bah, c'est pas grave. Je suis quand même top 2. Mais ça me rapporte rien, parce que je suis top 2. Mais non, mais j'ai paniqué. Ah, j'ai paniqué. J'aurais dû le grab. Je saurais la prochaine fois, faut que je sois plus sûre de moi. Putain, vous m'avez fait peur. Non, c'est bon, je ligue pas, là. Jure Draco! Vous croyez que je vais ligue, là? Non, mais dans le doute, je vais faire ça, mais il n'y a pas de code, normalement, là. Chier. Merci beaucoup Draco pour ton 14e mois de soutien, merci beaucoup. Putain, je suis dégoûtée. Mais oui, mais lui il a 5 points en plus encore. Faudrait que j'aurais dû le grab. Ah bah non, mais là je suis au fond du gouffre. Là je suis au fond du gouffre. Chier, j'ai paniqué. Voilà. Il est venu, j'ai eu peur. Oh putain, je suis dans la tribu. Je tremble. Mais cassez-vous! Mais putain! Je suis en lit! Non! Ouah, ils sont passés par où eux? Pardon. 3 games. Tout ça pour me ridiculiser pour un quiz. Mais bon, on donne tout. Merci beaucoup Carly d'avoir offert un abonnement à l'Arina. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Bienvenue à toi, Larina. T'as
putain, je suis dégoûtée. Je vais en parler pendant 15 jours. Coucou Marley, coucou. Comment ça va? C'est quoi ça? Ok, super. Je crois que je l'ai fait une fois. Il y a une semaine. Les maps random là. C'est pour fêter la fête, let's go! Merci Marlène. Oui, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Mais je remercie Stormbringer d'avoir offert un abonnement à Samuel Etienne! Ok. Oh putain, je l'avais pas vu venir lui. Je me suis fait tellement bully. Monte! Mais qu'est-ce qu'il fait, mon Gugus? Il veut pas monter! Boule. Ça va, ça va. J'ai la tête dure, moi, j'ai un casque. Ok. C'est pas évident. Oh, c'était pas évident, hein. Bon dieu. C'est le seul jeu que j'ai train, hein, aussi, quand même. Quand même. Mais jure. Merci beaucoup, Gorgonzola, pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup pour le bébé. Merci beaucoup pour le soutien, merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Oh, le train. Et là, le volet. Et là, on pleure, hein. On pleure tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? Oh, les cerceaux. Merci beaucoup, Perceval, d'avoir offert un abonnement à Homme qui tombe 152-3. Merci beaucoup. Le 3 était passé à la ligne, j'avais pas vu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, ça va, merci Gorgonzac. Ça va, ça va. Ok. Je suis passée. Poussez-vous, poussez-vous. Oups, je suis pas passée. C'est bon, c'est loose. C'est clairement loose, hein, ici. Pardon, mais poussez-vous. Et voilà. Ça passe. Putain, franchement, ce jeu, c'est une abomination, rien que pour ça. J'avais pas vu qu'il y avait de la pesanteur, là. Ah, yes. Oh putain. Donne. C'est bon. Non putain, je suis tombée dans le trou. Quel noob. Bah c'est mort. Putain, celui-là il est infâme. Celui-là il est infâme à gérer là. Oh putain. Mais les... Rien cassé. C'est pas grave, tant pis. Tant pis. J'ai lose. J'ai pas flex. Tant pis. Rasso, elle est pas passée non plus. Chier. T'as vu ça, Sine, comme je me suis améliorée en patience? Ah non, là, je pense pas que tout soit possible. J'ai passé que 2 rounds, en vrai. Je pense que c'est mort. En fait, c'est vachement dur parce que je l'avais jamais fait avec l'apesanteur encore. Et c'est vrai que à gérer le saut en apesanteur quand tu l'as jamais fait, c'est un peu compliqué, quoi. Ah
celle-là, je l'ai jamais faite non plus. Celle-là, j'ai jamais faite. Donc, heureusement, parce que de toute façon, j'aurais. Là-dessus. Il est fort, lui, dit. Lui, June. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qu'il y a? Cladal, qui avait l'air très gentil. Master Papou. Ming. Ne stress, Chacha. Je fais le TTS. Ne stress, Chacha. Mademoiselle Charlove. Mademoiselle Charlove. Merci beaucoup, Kev, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Et merci aussi, Skull Kid, pour les 100 bits tout à l'heure. Merci beaucoup. Il est joli, ce toutou. Ça, c'est infâme. Ellipser, Red Walrus, Katipi, Asuna, Morgane, Neru, Kuxo, Mizu, Joe, Rectile. Ok. Il y a encore du monde en vrai. J'ai. Ouais, j'ai enlevé le TTS. J'ai enlevé le TTS, du coup, je le fais moi-même. Merci beaucoup pour le soutien, Ether. Merci beaucoup pour ton deuxième mois de soutien. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Aïe aïe aïe. Putain. Je suis dégoûtée. Ah, je suis déçue de moi là. Tant pis. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Faut surtout pas que je perde round 1 ou 2 au troisième truc parce que sinon... En fait, c'est pour ça que je voulais me mettre bien comme ça, psychologiquement, t'es un peu plus zen, quoi. Oh, mais ça, c'était tellement easy! Oh, vas-y, je suis salée. Je suis tout le temps salée, de toute façon. Attendez, il y a de la notif sur Discord. Ok, c'est bon. Merci beaucoup pour le train de la hype. Merci beaucoup. Ah, je suis un peu salée, ouais. Un petit peu, ouais. Merci beaucoup, Docteur Maison, d'avoir offert un abonnement à Clarisse. Merci beaucoup. Bah oui, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Normalement, elle n'est pas devant l'ordinateur, maman. C'est pour des petits chats comme toi que je fais ça. Chat abandonné. Et merci à Kaelen. Merci pour le follow, bienvenue à toi. C'est pour des petits poupous comme toi. Oh là là. Putain, c'était easy facile ça. C'était easy facile. Je suis dégoûtée. Je suis salée, je suis seulement salée, putain. Je suis tellement salée. Allez, ça sert à rien de s'énerver. Hein. J'espère qu'il y aura toutes les maps que j'aime bien après. Oh, celle-là aussi, ça va. Aïe, aïe, aïe. Tant pis. Allez, il y a un petit passage là sur le côté. Aïe aïe. Non mais j'aurais... Ah si, moi je la vois, Draco, je la vois. C'est des fois Twitch, hein. Il est un peu bugué. Ah, il saute. Saute. Il est trop mips. On dirait un petit nuage, ses fesses, c'est trop mignon. Ou une petite meringue. Bah ouais, t'es le conducteur, Draco, hein. Il est trop mime, son petit slip là. Je le veux moi. On va peut-être pas désinstaller le jeu finalement. Allez, la strat, tu sautes sur le truc là. Voilà, saute. Broum l'air. Voilà. Allez, pas ça. Allez, chop.
le pauvre. Non, il est coincé. Non, c'est horrible, le pauvre. J'aime trop cette musique-là. Franchement, ça va, je le trouve cool. Avec le petit rhythm. Oh non, le pauvre. Oh non, il s'est fait rattraper. Oh non, le pauvre. Saute, saute, saute. Aïe, feu. Aïe, aïe, aïe. Non mais regardez le nombre de points que je, sur lesquels je m'assois. Tout ça parce que j'ai été nulle. Parce que j'ai eu peur qu'on me grabe. Oh non, c'est fou. Aïe, aïe, aïe. Oh le pélican, il est trop stylé. Bah j'ai pas géré, non, j'ai pas eu assez de points, Majo. Hein. Majo, si tu passes une fois la ligne, tu gagnes qu'un point. Allez, let's go! Attrape une queue. Oh, pire truc. Oh, c'est tellement le pire jeu. Je sais pas, t'as compté combien de... Est-ce que quelqu'un a compté combien de manches j'étais passée? Moi j'ai pas compté, j'avoue. Ah non, mais y'en a qu'un qui a une queue. Qui a une queue? Lui. Mais c'est pas lui qui m'a poussé, enfin, qui a tenté de me grab d'ailleurs. On va le bannir. Hein. Le jeu du non-fun. Attends, tu m'as pas vu sur Golfit. 30 000! Ah voilà. 45 000! Comme l'amende que l'on peut avoir quand on abandonne son animal. 45 000 euros d'amende. On révise en même temps. Report, hein, full cheat. Regardez-moi. Et 3 ans de prison, bien sûr. Charles Chikuni a abandonné, ouais. Oh, oh là là, ça y est, c'est la décadence. Oh non, mais lui, il s'est servi des autres pour sauter. Tellement intelligent. Oh, il gère tellement bien le saut, là. Oh. Je veux pas être prise, s'il te plaît. Oh là là, incroyable. Let's go, Gigi. Gigi, Master Pafou, bien sûr, qui a géré comme Jaja. Hein. Je vous montre pas son anime, hein. C'est au cas où, il y a un... Gigi! Bravo le sport, bravo l'e-sport, bravo le game, bravo les tic-tac qui tombent, bien sûr. Ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Hein. Les jeux sont très très... Franchement, ils sont très très forts. Oui, c'est la dernière game, je crois. Bon, c'est mort. Hein. C'est mort pour Chacha. Bien joué. Faut y croire. Venez, on y croive. Alors, sur 52 participants, il y a 24 personnes qui passent au quiz, ensuite 12 personnes qui passent à Golfit, et ensuite 4 personnes à Tricky Tower. Et il n'en restera qu'un. À l'issue. Des poteaux! Nous croivam, voilà. Vous croivat? Pire truc, les hélices. Allez, les hélices, pire truc. Mais on s'en fout, l'objectif c'est de sensibiliser sur l'abandon des poupous. Le reste c'est accessoire. Non mais voilà, mais regardez l'autobus là. Il y en a, ils sautent et du coup... Comment ils font pour courir plus vite? Barrez-vous en fait. Oh là là, j'ai fait une accélération là.
Mais voilà, ils sont dans... Ils sont tombés plus loin. Je suis buggée. Ah, super. Oh là là, regardez tous les qualifiés avant moi. Mais pousse-toi, t'es chiant. Mais... Oh, il est cool. Oh là là, t'imagines, là, il y en a qui te poussent et tu tombes, mais je pense que là, je ne réponds plus de rien. T'as vu ça, l'autobus, quand même, au début, là, toute la foule. Bien sûr que c'est passé. Bien sûr que c'est passé. J'ai tout donné, Mandos. J'arrive à être tendue, rien qu'en regardant. Je suis tendue, de ouf, moi aussi, t'inquiète pas. Ça passe trois fois. Alors non, franchement, j'ai à la fin là, j'étais là, je leur saute dessus à tout moment, c'est moi qui tombe. Hein. Ça fait et franchement, il y avait quand même plein qui sont pas passés là. Soit elle est passée, let's go. Et là, le volet. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais fait ça! Oh non, j'ai jamais fait! Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attraper les bulles, c'est ça? Il faut attraper les bulles? Oh bordel de cul! Oh putain! Non mais sérieux, on en a fait pendant une semaine quasiment tous les jours! On n'a jamais eu ça! Il faut aller où? C'est lequel le meilleur spot? Non mais ouais, mais là ils vont tous les attraper, ça sert à rien que j'y aille! Là, y'a pas un truc là? Y'a rien là-dessus? Non, mais j'ai aucune bulle. Ah, y'en a encore au même endroit? Oh, super. Mais ouais, mais moi j'ai rien le temps de faire! J'ai rien le temps de faire! J'en ai zéro! Oh non. J'en ai eu zéro! J'en ai eu une! Oui, j'en ai eu une! C'est vraiment le pire jeu! Au secours! Faites quelque chose pour moi! J'ai eu. Non, j'ai pas eu! Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au secours! Ah, j'ai perdu du temps au début, je pensais qu'il y en avait partout! J'en ai eu aucune. Mais casse-t-il fou! J'en ai eu une. Oh. C'est où? J'en ai une! J'en ai plus! J'en ai que 5! Au secours! C'est foutu pour Chacha! Voilà, bon, c'était cool, bon event! Allez, salut! J'ai jamais eu cette map de ma vie! Let's go! Allez! Bon bah, bisous! C'était sympa! Ravi de vous avoir revu ce soir! On lira le PDF quand même, et puis voilà. C'est comme ma... Bah, non, mais bon. Ah bah, je pense, là, Lou, ouais, là, j'ai perdu trop tôt. Les deux, j'ai pas du tout géré, là. C'est terminado. Tant pis. En même temps, voilà, j'ai jamais eu la map, j'aime pas ce qu'il fallait faire, c'est pas grave, quoi. Honnêtement, j'en ai fait tous les jours. Je suis pas tombée dessus, quoi. J'ai fait mon taf. J'ai train. Tant pis. Oh, puis c'est là, franchement. On la connaissait bien. Bah, c'est surtout, Luciole, que j'en ai jamais, en fait. Dans tous les trucs d'entraînement, on en a jamais eu, en fait. Donc si tu les as pas, tu peux pas t'entraîner dessus. Donc tu peux pas t'améliorer, forcément, quoi. C'est ça le problème. Celle-là, elle est easy peasy, quoi. Non, j'ai pas fait mieux, hein, Dungeon Keeper. Et juste le premier round où j'ai été top 2 et ça change rien, en fait.
Mais c'est tout, hein. Sinon, les deux dernières, je me suis chié dessus. Je pense pas que je suis qualifiée, hein. Ils prennent la moitié, hein. Non, tu peux pas, Luciole, je crois pas. Enfin, en tout cas, non. Moi, j'ai pas trouvé. Après, si c'est toujours les mêmes qui se qualifient au début, c'est peut-être faisable, tu vois. Si c'est toujours les mêmes qui sont... Ouais, puis même... En fait, à chaque round que tu passes, tu gagnes un point. En gros. Waouh, vous avez vu la strat qu'il vient de faire en ped? Incroyable. J'ai l'impression que Sou, elle est pas passée aussi, hein, tout à l'heure. La moitié des gens sont éliminés après le round 2. Tu as fait au mieux au premier round et la moyenne pour les deux autres. Bah après, faut voir si c'est toujours les mêmes qui sont passés ou pas, quoi. J'ai envie de me taper un orteil contre un meuble, hein. Franchement, on va pas se mentir. Et c'est pas grave, on a passé une bonne semaine d'entraînement. Voilà. De toute façon, le quiz, ça va être compliqué, hein. Ça va être des questions de culture, ça va être compliqué. Hein. Oh, bah, celle-là, j'aurais pas réussi. Celle-là, j'aurais pas réussi du tout. Je crois que j'ai passé qu'une fois celle-là. Sur un malentendu. Je serai en emote only pendant le quiz si jamais je passe. Hein. C'est un peu toujours. Hein, il y a quand même souvent les mêmes pseudos, hein, je trouve. Donc il y a peut-être moyen, je sais pas. Coucou Frozen Teach, comment ça va? Debout. Oh merde. Ah, ils jouent tous très bien quand même. Ils jouent tous très très bien, franchement. Majora. Oh bah ça va, à part que c'est loose, hein, je pense, pour un Teach. Un peu déçu parce que j'ai quand même bien... Je m'étais bien entraînée, mais je suis tombée sur des trucs. Putain, j'aurais pu faire top 1. J'aurais pu faire top 1 si j'avais pas paniqué. Voilà, j'ai paniqué. Je pense qu'ils ont dit... Ils ont dû tous se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ils m'ont vu sauter dans le trou. Rigolo. Je meurs de chaud. Oh là. Non mais on lira quand même le PDF après, dans tous les cas. Parce que c'est important. Ah, vous êtes des amours, vous êtes tellement mignons. Après ça se trouve ça passe, hein, on sait pas. Hein. En tout cas, si jamais je refais un tournoi, plus jamais je m'entraîne, hein, ça sert à rien. Elle a été payée, sûr. Ah bah... On m'a donné un petit bifton pour me dire vas-y tu tombes. Celle-là elle est pas si simple. Celle-là elle est pas si simple en vrai. Mais c'est toujours pas la finale là. Hein. C'est toujours pas la finale hein. Rendez-vous compte le nombre de points qu'ils ont engendré que moi je n'ai pas pu engendrer là. Sans rire hein. Moi je pense que ça passe pas hein. Coucou Lexi, comment ça va? La passion, exactement celle-là même. Et une part de chance, ouais. Franchement, quand on a fait le premier round, je me suis dit non, mais let's go en fait. En vrai, le taux de l'entraînement il paye et tout. Non, en fait, non. En fait, bon. Il est fort lui pour passer ça là. Il est vachement fort. Normalement c'est... Ouais une vingtaine. Normalement c'est une vingtaine. 24 je crois. Mais je sais pas si on était tous là à faire Fall Guys donc je sais pas. On va dire une vingtaine ouais. Donc je pense pas que je passe. Échappe. Oh il a pas sauté. Oui. Oh là là. Let's go quoi. Trop fort. Trop trop fort en fait. Oh non, ça va être horrible.
Des points sont gagnés à chaque map. Oui. À chaque fois que tu passes un round, tu as un point. Oui, Napoléon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah on va peut-être arrêter plus tôt que prévu, mon chaton. On a l'air mon petit cœur. Ça va? On dit ça. Donc le but de tout ça, en plus de la prévention de la malance, c'est d'avoir une place pour la soirée avec des gros streamers. Oui, c'est ça. En gros. Mille points pour Chacha, merci. Fort, mais ils sont trop. Mais regardez, mais j'ai l'impression. Eh, vraie question. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a plus de rounds que quand on a fait la première map? J'ai l'impression qu'il y a plus de rounds. Non, mais c'est une vraie question. Non, je ne pense pas. Ok. Ouais, c'est le sentiment que t'as parce que tu regardes quoi. Tu joues pas. Ok. Le pastèque bleu. C'est toujours pas la finale, mais au secours. Mais il y a combien de rounds? Non mais c'est bon, c'est loose les gars, regardez tous les points que j'ai perdus là. C'est la grosse loose. J'ai cru comprendre sur d'autres streams que dans les parties privées il y a plus de rounds. Ouais mais genre par rapport à la première j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y avait pas autant de rounds. Mais après je pense que les admins sont là pour ça donc... Je sais pas. Écoutez je sais pas. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller regarder la VOD pour compter le nombre de rounds hein? Dans ta game où tu as fait deuxième, tout le monde s'est fait éliminer en un jeu de temps. Eh ouais. Donc en fait, c'est la grosse loose quoi. Voilà, c'est la grosse loose. Tant pis. C'est toujours quand même un peu les mêmes en vrai. Hein. Non mais là c'est la finale par contre. On revient à dire sur la beauté. Non. Non j'ai de choc sur la deuxième et la troisième. Hein. J'ai complètement de choc. Hein. Est-ce que c'est la finale? Je sais pas. C'est la finale. Oh je l'ai jamais faite celle-là. J'ai jamais vu. Je viens de voir le live de Little Google quand t'as choc en finale du round 1, elle était si triste. Mais non, mais j'ai sauté comme une débile parce que l'autre il venait pour me grab, j'ai paniqué, j'ai sauté dans le trou quoi. Comme une nulle. Et puis ça m'a foutu dedans et puis voilà, puis le deuxième round j'ai fait un peu plus loin. C'est la loose. Tant pis. Alors on regarde qui? Moi je pense que c'est lui qui va gagner, il gagne tout le temps j'ai l'impression. Je l'ai vu train tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Lui je l'ai vu train ce matin là. Lui il déconne zéro hein, par contre, hein. Lui il est là pour gagner totalement les top 1. Hein. Le reste il veut pas le savoir. Puis, il est fin bien là, il est tout seul dans son coin là.
Ouais, mais c'est con, ouais, Queen. Tu vois, j'aurais dû le grab aussi, en fait. N'hésitez pas à trouver dans le trou, par contre, à un moment. Bon, en fait, je pense qu'elle est bien, cette finale, quand t'es 7 ou 8, tu vois. Parce que ça fait des trous beaucoup plus vite. De la strat quoi. Aïe aïe aïe. N'hésitez pas à tomber dans le trou. Ah, y en a un qui est tombé. Oh, il doit être salé. Ça, lui il a fait un truc vraiment. Non, mais lui il est smart. Hein. Il s'est laissé toute une rangée. Oh, il est bloqué. J'ai l'impression qu'il lag ou c'est moi? Oh le... Oh! Bien joué ça! Tout le monde éliminé, pas de vainqueur! Ah si, c'est bon. C'est Red Walrus du coup qui remporte cette manche. Voilà, voilà. Bah c'est la loose hein, finalement. GG à lui. GG au gagnant. Je laisse le jeu ouvert au cas où parce que je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Coucou Lilian. Ah, on pourra dire que j'ai frôlé le top 1 quand même. Au moins une fois. Moi j'attends. J'attends qu'on me dise ce qu'il faut faire. Je vais, s'il y a une petite pause, je vais aller me chercher un verre d'eau. Parce que j'ai soif. J'attends la confirmation. Ceux qui ont perdu sont éliminés. Ah, je pense que ceux qui ont perdu sont éliminés. Je suis pas convaincue, mais... Je pense que ceux qui sont perdus, oui. J'attends qu'on me dise ce que je dois faire. Voilà. Normalement, c'est 3 rounds, donc pour moi, on a fait 3 parties. Même si la dernière, à mon avis, il y avait beaucoup plus de rounds, donc beaucoup plus de possibilités de faire des points. Donc je me suis bien fait martyriser, quoi. Bon, je pense que je peux quitter le jeu. Quitter l'émission. Comment on fait pour quitter ce jeu de mort là? Sortir. Eh ouais, bon bah tant pis hein. J'aurais tout donné. Mais la RNG qui fait que je remporte la plus... Que je... Mais putain, mais je finis top 2 dans le plus petit round quoi. Et je tombe dans les premières sur le plus long quoi. Quelle merde. J'ai vraiment pas de chat. C'est un truc de ouf de pas avoir de chat comme ça. Pardon. Je vais aller chercher un petit verre d'eau, quoi. Puis j'arrive. J'arrive, je cherche un verre d'eau. Ah, j'ai vraiment pas de chat, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf comme j'ai pas de chat, putain. Une chance totalement absente. Non, mais c'est un truc de ouf, hein. Mais c'est normal, c'est... Comment on fait pour mettre en plein écran sur ce truc de crotte? Je sais pas faire. Au secours. Je sais pas faire. Ah. Attendez. Elle ne sait pas ouvrir un PDF. Bonjour. Mais pourquoi elle me l'ouvre pas avec ce que je veux aussi? Bonjour, je suis streameuse, je ne sais pas ouvrir un PDF. Let's go. C'est bon, j'ai... Tant pis! Pas de chat, que veux-tu? J'arrive, je vais chercher un verre d'eau!
Bonjour la loose. Bonjour, bonjour. Bonjour la loose. Non, non, je rage quitte pas, hein. Eh, les animaux, ils veulent pas qu'on rage quitte, hein. Je rage quitterai après. Bon alors, j'ai appelé Napoléon mon cœur, bien sûr. C'est mon cœur, Napoléon. Alors, du coup... Bah oui, c'est mon petit cœur, c'est mon chat, quoi. Alors, attendez, parce que du coup, on reprend le sujet quand même principal. Hein. Full Guy, c'est rigolo. Nye, 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 nye. Mais c'est quand même un peu plus important, les animaux. J'ai fondu en mode mon pou pou chat. Donc, du coup... Pourquoi on est là pour le pour sensibiliser à la cause de l'abandon des poupous, bien sûr. Donc, je me recentre un peu, hein. J'ai très chaud. Donc, on va regarder un peu les chiffres de ce qu'on disait tout à l'heure. Des dizaines de milliers de chiens et chats abandonnés chaque année en France. On avait vu que c'était à peu près 100 000, à peu près 100 000, dont 60 000 pendant la période estivale. Ça fait plus de la moitié quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc ils sont en piteux état, les pauvres poupous. Donc ça, c'est important de prendre en compte que, bah, que malheureusement, il y a encore du travail à faire et de l'éducation, de la pédagogie et voilà quoi. En sachant que si vous abandonnez un animal, bien sûr, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et je crois que ça peut même être pire si... je crois que ça peut passer à 5 ans s'il y a vraiment grosse maltraitance en plus, je crois. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est les meilleurs en Europe, bien sûr. Champion du monde, hein. Donc, je sais pas s'il vous intéresse ce petit PDF. Je pourrais vous le filer peut-être après, je leur demanderai. Oui, il y a un truc qui était important. En même temps, ça me fait réviser si jamais, par hasard, on passe, mais ce que je crois absolument pas. Donc, c'est ce qu'on disait quand vous prenez un animal. Oh, merci, Docteur Maison, d'avoir offert un abonnement à Trivia. C'est très gentil. C'est très gentil. Mais elle, c'est pas une arbitre, la pauvre. Elle y peut rien. C'est moi qui ai de choc. C'est moi qui ai de choc comme une noob. Ouais, pas trop envie d'être les meilleurs en abandon, ça c'est clair. Mais bon, c'est le cas, en tout cas pour l'instant. J'espère que ça changera. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on prenait un animal, bien sûr, mais vous le savez. Mais quand on prend un animal, ben, on l'assume jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il va y avoir des frais de veto. Ça veut dire qu'il faut partir en vacances avec et qu'on peut pas l'abandonner, que c'est pas... c'est un être, c'est un petit être. C'est un petit être, il faut faire attention à lui. Un poupou. Oui, c'est barré. Voilà, voilà. Les avancées 2021, ça c'est important. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une loi qui a été promulguée le 1er décembre 2021, je crois même que c'est fin novembre, qui a permis, de ce qu'on disait tout à l'heure, l'interdiction de la présentation d'animaux en vitrine et la fin de la vente de chiots et chatons en animalerie. C'est ce qu'on disait. Mais ça sera que à partir de janvier 2024. Et la fin de la vente d'animaux en ligne par les particuliers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Malheureusement... Moi, ce que je retiens de ça, c'est la fin de la vente des chiots et des chatons. C'est-à-dire que les lapins, les chinchillas, les souris, les rats, les poissons. Ça, par contre, voilà, c'est pas dedans. Donc, on a encore du travail. Hein. Parce que je sais pas si vous êtes déjà allé dans les trucs comme ça, mais quand vous voyez les petits bestiaux, moi, ça me fume. Les octodons. les araignées. Soon, on arrêtera de les traiter comme des marchandises, j'y crois. Bah... J'espère, hein, mais voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est que depuis 2015 que l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble. Hein, donc, des canards, ben oui. Pauvres bêtes. Donc voilà, ça passera qu'en 2024. Conséquence de l'abandon, hein, c'est ce qu'on disait, de toute façon, il faut bah, les refuges. Hein. Il n'y a que eux qui avec l'aide des mairies, etc., et de toutes les petites assos, parce qu'on parle des grosses assos, mais il y a aussi tout plein de petites assos qui sont près de chez vous, qui se battent au quotidien pour essayer de sauver les animaux, quoi. Parce que le problème, c'est que tous les refuges sont complets,
et qu'ils peuvent pas accueillir tout le monde, et qu'un animal, par exemple, qui est à la fourrière, ce qu'on disait tout à l'heure, au bout de 8 jours, si vous lui trouvez pas une place en refuge, ben, c'est l'euthanasie, quoi. Donc, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Voilà. Donc, pauvre bête. Tout ça parce que des personnes n'ont pas réfléchi avant de prendre un animal. Parce que à Noël, c'est rigolo d'offrir un petit chien, mais qu'après, il faut s'en occuper, etc. Yes. En plus, dans les animaleries, ils ne savent pas vendre d'animaux particuliers, les tortues, particulièrement les tortues, car ils se trompent encore, tortues aquatiques. Non, mais c'est terrible. Il faut juste arrêter de vendre des animaux, en fait. C'est juste pas possible, et c'est horrible. Donc l'état d'urgence pour les refuges, surtout l'été, hein, c'est ce qu'on disait, hein, beaucoup plus d'animaux abandonnés parce qu'il y a les vacances, bien sûr, et que qui dit vacances dit on laisse son animal, hein, bien sûr. Ça me termine. Donc pas de place, voilà, ils sont sous l'eau, quoi. Ils sont sous l'eau. Coucou ta gamin, je sais pas si tu avais déjà dit, je crois, oui, mais... Je faisais les comptes d'une SPA, un des plus gros postes de dépenses, c'est l'euthanasie et crémation. Bah oui. Bah dites-vous qu'il y a quoi, 100 000 animaux abandonnés par an dans un refuge grand max, tu vas pouvoir aller avoir, on va dire, 300-400 animaux. En sachant que je crois que j'avais vu que c'est une moyenne à peu près un an pour remettre un animal sur pied et le sociabiliser et lui trouver une famille. Bah voilà. T'as fait le compte, hein. T'as fait le calcul, hein. Voilà, un chat sur 5 en fourrière est euthanasié. Voilà, les chiffres sont là, quoi. Et ce qu'on disait, adopter dans un refuge, comme on fait pour Napo, ou comme vous avez pu faire aussi pour la plupart d'entre vous avec vos animaux, c'est qu'on dit souvent qu'on sauve une vie, mais en fait, on en sauve deux, parce qu'on sauve le petit poupou qu'on prend, mais on sauve aussi le petit poupou qui était dans la rue, qui n'avait pas de place et qui, du coup, peut être accueilli en refuge. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, un an, le temps moyen observé pour remettre un animal sur pied. Voilà, c'est ça. Et trouver une nouvelle famille. On estime qu'au-delà, l'animal a peu de chances d'être adopté. Voilà. 79 animaux sont en moyenne accueillis en refuge pour 50 places disponibles. Ah oui, moi je disais 400, mais tu vois. C'est quand même pas ouf, hein. C'est quand même vraiment pas ouf. Les actions contre l'abandon. Donc 30 millions d'amis. C'est grâce à eux qu'on fait ce tournoi hier ce soir. Et qui font l'événement caritatif fin... Je tiens à vous dire que je suis qualifiée! Youhou! Eh, craque dur, j'y croyais pas du tout. Premier round le plus court, je finis presque dernière. Et les deux autres, j'ai tellement de choc. Let's go! Bon, par contre, c'est le quiz. Allez, on lit les chiffres, on y va. Alors du coup, action contre l'abandon. 30 millions d'amis en fait un de ses combats prioritaires, mais pas que. Je sais aussi que 30 millions d'amis, donc pour l'abandon, mais aussi pour le trafic d'animaux. Parce que saviez-vous, hein, il y a quand même du trafic d'animaux. L'expérimentation animale aussi. Parce que ça aussi, ça existe encore, hein, malheureusement. Et plein d'autres choses aussi mondialement. Hein. J'ai vu en Afrique du Sud, Congo, je crois, ils font des choses aussi. Donc c'est important. Je suis... Wouh! Pardon, je... Je zen. 250 refuges soutenus par 30 millions d'amis. Ce qui est énorme. Merci beaucoup Percival pour pot de vin. Moi, j'aurais préféré avoir un pot de vin et je serais déjà en finale. Merci beaucoup Percival pour avoir offert un abonnement à pot de vin. Donc du coup, 250 refuges soutenus, ce qui est énorme. Mais finalement, quand on voit le nombre d'animaux abandonnés, c'est que chi. C'est vraiment que chi. 3 millions d'euros consacrés chaque année à l'aide aux refuges, nourriture, frais vétérinaires, travaux de remise aux normes. Parce qu'il faut savoir que les animaux, il faut pouvoir les loger dignement.
Il va y avoir des animaux qui vont pas être forcément sociables, donc il va falloir qu'ils soient peut-être isolés des autres, etc., etc. Il faut des gens aussi pour s'en occuper de ces petites bestioles. Il faut leur donner à manger, les soins vétérinaires, les stériliser s'ils ne le sont pas, les identifier, etc., etc. Ça coûte très très cher. Donc voilà, il distribue 3 millions à tous ces refuges-là. Plus de 1000 niches par an fournies au refuge et plus de 5000 chiens de plus de 10 ans adoptés grâce à l'opération Doyen. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'opération Doyen ? Ah, attends, on va passer sur le quiz. Ah ! Non ! Il va finir. L'opération doyen, bien sûr. On va passer sur le quiz. On va passer... Oui, Napoléon, viens! Oh, let's go, Queen! L'opération doyen, c'est qu'en fait... Attendez, on va vérifier les streams de chacun pendant et après. Parfait! C'est bien, ça évitera la triche. Alors, attendez, parce que moi, du coup, j'ai installé Firefox exprès pour l'occasion. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se défouler un petit coup. On se défoule un coup? Allez! On se défoule un coup, là. Allez, allez, on lâche tout le stress, là. On fait le vide dans la tête et après, on va mettre du Chopin. Allez. Allez, spammez le chat un coup, là. En plus, vous allez être en émotonie, alors allez-y pendant que vous pouvez, là. Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai pas encore, y a pas encore le quiz, Mandos. T'inquiète, t'inquiète. Alors attendez, parce que je crois qu'il faut modifier des trucs. Je suis dans une équipe et il faut que je modifie mon... Allez-y, foutez le bordel un petit coup. Allez, chop chop. Chop 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 chop. Mais on peut pas modifier notre nom là. Ah si là. Je sais plus où faut l'écrire. Attends. Attendez, je sais plus où faut écrire les... Bon, tant pis, c'est pas grave. T'es là, crack dur ? Attendez, attendez, attendez. Parce que je crois qu'il fallait mettre des trucs sur... Mais non, Jurso ! T'es passé ou pas ? Crack dur, est-ce qu'il faut modifier le nom Discord ? C'était pas ça ? Oui, j'ai vu, j'étais trop contente ! Oh non, c'était pas passé ! Oh ! Merci beaucoup pour ton raid, So! Oh, je suis trop déçue, So, que tu sois pas passé. Est-ce qu'il... Crack dur, est-ce qu'il faut changer les noms... tu sais, les noms Discord? Et puis mettre aussi... sauf qu'ils ont tellement flou toute la journée, on peut pas les retrouver, là. Les bannières. Fallait mettre des bannières aussi. Attends, elles sont où, les bannières? Franchement, tu t'es bien battu, So, à chaque fois on te regardait. Attendez, hein. Je travaille en même temps. Ouh. Je suis en stress de ouf. Ah, attends. Bandeau. Bon, j'espère que ça commence pas tout de suite et qu'ils vont m'attendre juste 2 secondes parce que faut prendre les overlays. Sauf que je sais pas où ils les ont mis. Ils les ont pas mis dans le drive, putain. Demandez sur un... On va vous donner le lien pour le quiz, il faudra donner votre pseudo. Ok. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, là je suis dans le truc. Bonjour les Raiders, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis un peu en stress, hein. Je suis un peu... Ok. Hop. Je tape vite, je suis désolée. Parce qu'il y a eu pas mal de spam dans le chat... dans le chat où il y avait des infos importantes. Et donc du coup, bah, je suis un peu perdue.
Puis je suis stressée, alors je suis encore plus perdue. Putain, j'ai de choc, j'ai tellement de choc. Coucou Lalio, j'ai tellement de choc, so round 1 quoi. J'ai vu quelqu'un qui voulait me grab, du coup j'ai paniqué et je suis tombée. Mais genre comme un caca boudin. Littéralement. Moi je suis perdue, personne me répond. Est-ce que tu te souviens, So, s'il fallait mettre un truc d'équipe ou changer le nom? Il n'y avait pas une histoire qu'il fallait changer le nom Discord? Je sais plus. Attendez, je me mets en... Ah, c'est que pour Golfit. Ok. Ça marche. Parfait. C'est compliqué de gérer et un chat et le Discord et le tout. Ouh. Et le nom Steam. Ah, c'était Steam. Pas Discord, je suis con. Non, on va mettre du Chopin, mais ça va pas commencer. Il pop le lien, là, il va popper. Du jazz. Un petit jazz. Jazz classique. Let's go. Bah ouais, tu m'étonnes, So. Moi, j'ai choc. Franchement, pour moi, je passais pas, en plus, là. Je comprends pas. Pourquoi ils se mettent en équipe? Faut se mettre en équipe? Il faut qu'on se mette avec les gens? Ou pas? Est-ce que il faut que je me mette avec les... Non, c'est solo, hein. Ouais, pourquoi ils sont tous ensemble? Là, ils m'ont fait paniquer. Twitch.tv Mademoiselle Chaps. Twitter. Oh, je sais pas ce que c'est, mon Twitter. Email. Attendez, hein, je fais des trucs. Hein. Alors, Mademoiselle Chaps, Twitch.tv, Mademoiselle Chaps, Twitter, Chaps, MademoiselleChaps.com, démarrer le quiz. Quoi? Ça commence déjà? Au secours! Je préfère Chopin, tant pis. Je préfère Chopin. Bien vu, Majo, merci. Ah, pardon. Ah, on peut discuter après. Ok. Moi, je dirais ça en vrai parce que... Je sais même pas, moi je vais dire ça. Bonne réponse. J'avais pas vu si c'était bonne réponse en premier. Mettre au milieu, je sais pas. Ah, merdoum, c'était deux sens. J'hésite entre le deux. En 2020, Fondation 30 millions d'amis s'est constituée partie civile. Dans 203 procès. Il y a eu que 203 procès. Sur le nombre d'animaux maltraités. Actes de cruauté, trafic, abandon. Pas beaucoup, hein. Attention, Exo, faut pas parler. Faut pas parler dans le chat. Faut mettre que des émotes. Que peut-on retrouver sur la plateforme 30 millions d'amis? Nos vacances entre amis. Ah bah je vous en parlais tout à l'heure.
des adresses pour faire garder, des hébergements pour être friendly, des conseils pour les trois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est trop bien, franchement j'ai fait le truc pour Napo. N'hésitez pas si vous partez en vacances, il y a même des conseils, hein. Vraiment c'est vraiment sympa comme truc. J'ai que deux petits patounes. Pas énorme. Fondation, j'ai envie d'ouvrir un... Bah les deux... Non ! Les deux ! Je voulais mettre les deux, j'ai mal lu ! Parce que le CHU, la tuilerie, c'est pour les... Oh non ! J'ai mal lu, j'ai lu de travers, Charlotte, faut que t'ailles moins vite. Je pensais que c'était les deux parce qu'ils ont les deux. Oh putain. Ils ont la ferme des Aubry pour les chevaux et ils ont les tuileries, c'est pour les chiens et les chats. Ils ont 150 chiens et 130 chats. Putain, Charlotte ! Pardon. Quand existe le CHU, la tuilerie ? Bon, super. Au moins, c'est pas 2005. Ou 2015. Peut-être plus 2015. Aïe. Oh putain, cette chatte. Tiens, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Coucou, Soso ! Quel était l'ancien nom de... Ah, c'était l'ADAC. C'était l'ADAC. Let's go. Let's go, je l'ai appris ça. Je suis le cul. Ok, let's go. Chaque année, grâce aux donateurs, la fondation attribue une aide au refuge d'environ 3,8 millions d'euros. Vrai ou faux? Vrai. Attends, attends. Lis pas trop vite. Chaque année, grâce aux donateurs, la fondation attribue une aide au refuge d'environ 3,8 millions d'euros. Alors, moi je dis oui, j'espère qu'ils jouent pas sur les mots, que c'est pas que des donateurs. Peut-être, tard Charlotte ! Mais putain ! Allez, c'est pas grave, je fais que des conneries, c'est pas grave. On sait que j'avais le point. La fondation 30 millions d'amis a été créée en... Alors, la fondation c'est 95. Et je crois que c'est... Non mais ça va vachement plus vite, attends. Attends, attends, faut que j'arrête de parler. Chut. Ça va vachement plus vite. Quelle année a été lancée l'émission? 76. Désolée, hein, je trace hein, du coup. Hein. Je me suis fait niquer 2 ou 3 points là. Quel format audio peut-on retrouver Fondation sur les plateformes de streaming? Alors là, j'en ai aucune idée. On met tout. Dans le doute, faut mettre tout. Ah putain, c'était que podcast. Tant pis. Sur quel réseau social la Fondation 30 millions s'est-elle récemment lancée? Mais j'en ai aucune putain d'idée. Allez, on va mettre Instagram. C'était TikTok. Eh ben, ils sont plus à la pointe que moi. Let's go. S'il n'est pas réclamé par son maître ou n'a pas été recueilli par un refuge, au bout de combien de temps l'euthanasie d'un animal est légale? 8 jours. Malheureusement. Combien d'animaux ont été recueillis par le CHU La Tuilerie en 2020? On va dire 230. Mauvaise réponse, 780, d'accord. Putain, parce que c'est pas un refuge en fait. C'est un CHU. Et je me suis fait avoir par ça. Je suis vraiment qu'une bite. Sur cette même année, 2020, il y a eu plus ou moins d'animaux qui ont été adoptés ou placés en famille d'accueil. On va dire plus ? Mauvaise réponse. Allez, nique. Actuellement, combien d'animaux vivent en refuge en France ? Cette chatte. C'est de la chatte. Ok. Les chiens sont les animaux les plus abandonnés. Ah, j'en ai aucune idée. Peut-être les chats. On va mettre vrai. C'était les chats. Non, ce sont les lapins. Jure. Les lapins sont les animaux les plus abandonnés. Oh, je suis vraiment qu'une... Ok, tant pis, j'ai 15 points, c'est déjà bien. Les achats dits coups de cœur auxquels on assiste, notamment en animalerie, représentent une grande cause d'abandon. Vrai ou faux? Vrai. 18.
Quel est le bon réflexe à avoir si vous trouvez un animal abandonné non tatoué, non pucé? Alors, prévenir la mairie. Let's go. Et quand vous prévenez la mairie et qu'ils vous répondent comme ils m'ont répondu, c'est pas notre problème. Eh ben, vous essayez de contacter quelqu'un d'autre. Voilà. Mais faites attention, les touchez pas si vous voyez des animaux en piteux état. Grâce aux actions de la fondation notamment, le nombre d'animaux abandonnés a drastiquement chuté en 30 ans. Par combien ce nombre a été divisé? C'est passé de, je l'ai dit tout à l'heure, de 400 000 à... C'est ça? Non? C'est pas ça que j'avais dit? De 400 000 à 100... Bah par 4 je dirais. Nick. Franchement je casse rien. Si je l'avais cliqué! Je l'ai cliqué sur le gong, mais je l'ai cliqué, oh... Quel est le meilleur moyen pour signaler en cas de maltraitance? Bon, on va mettre l'appli. Allez, let's go. Franchement, je suis deg hein, à chaque fois sur le fil là, ça m'énerve. Un chien abandonné peut survivre dans la nature s'il est abandonné. C'est le condamné à mort. Je crois qu'on avait vu que c'était une moyenne de 2 ans, un chat. Un chat, 2 ans, il tenait en moyenne, s'il était dehors. En moyenne, un animal reste au moins 1 an en refuge avant d'être adopté. Vrai. Aux côtés de combien de refuges partenaires? 250. Depuis 2014, 30 000 chats errants ont été stérilisés et pucés ou tatoués. Et donc protégés grâce à la fondation. Vrai ou faux? À dire oui. Pardon, je mange ça! Je suis stressée. Entretenir un chat coûte en moyenne 1500 euros par an à un refuge. Bon, je dirais peut-être même plus. Mais bon. Okay. Je trace, hein. J'ai trop peur. Retenir un chat coûte en moyenne 400. Plus. 800. Ça coûte moins cher qu'un chien. Ça reste quand même des frais. Hein. En 4 ans, combien de chatons un couple? 20 000 On le sait, ça. On l'a appris. Eh, ma mémoire de vieille trentenaire, là. Hein, vous m'en direz des nouvelles après. Hein. En France, il est strictement interdit d'appeler son cochon d'un certain nom. Lequel? Napoléon! Un mon chat! Voilà. Vous le saviez, ça? Ça, c'est drôle, ça. Je suis... En 2009, la plage de Granville a été interdite à un animal. Laquelle? Dans le doute, une vache? C'était un éléphant, mais jure, un éléphant? Ah, parce que les cirques, c'est vrai que ça existe encore, cette merde. Nemo est le nom porté par un animal star. Le chien. Attends, on va dire le poisson clown. Ah, c'est... Quoi? Le chien d'Emmanuel Macron, il s'appelle Nemo? Putain, mais là, il est jusqu'au bout, lui. Hein. Quel est le point commun entre Garfield, Milou et Rantanplan? Ce sont les trois corgis nains. Ce sont des animaux de bande dessinée. Ce sont les mascottes. C'est des animaux de bande dessinée. Les mascottes, c'est Mabrouk. Quelle est la race de la reine d'Angleterre? C'est le corgi. Comment s'appelle le fidèle chien de Will Smith dans le film Je suis une légende? Oh, c'est pas Tom ou Tim? Sam. Pff, rien à voir. Ça, je l'ai pas su. Quel animal trompette? Le tapir? L'aigle. L'aigle, il trompette? Mais c'est génial. Je vais vite, de toute façon, je connais pas les... Je sais pas, donc... Dans la saga The Witcher, Gérald appelle tous ses jouets Ablette. Vrai ou faux? Mais il en a qu'une, d'Ablette. Il en a pas qu'une, d'Ablette? Ou un chat a-t-il déjà été élu maire? On va dire en Alaska ou en Finlande. Oh, let's go. Mais je savais pas, moi. J'ai fait que The Witcher 3. Ablette, on l'a pas tué, hein. On l'a eu du début à la fin. Let's go. Talkeetna, meilleure ville. Je veux rien savoir. Je suis sûre que tout s'est bien passé. Ok, let's go. Dans quel jeu peut-on jouer avec Timo? Warcraft? Non, League of Legends. Pff, qui c'est? Dans Sailor Moon, Luna est un petit chihuahua. Faux? Ok, c'est un petit chat noir. En 1975, les animaux font pour la première fois leur apparition dans les jeux vidéo. Quel était cet animal? Bon, on va dire une grenouille. Non, c'est un requin blanc. Jeu d'action, un plongeur doit échapper à un grand requin. Ah, comme le grand bleu?
T'es un plongeur, comme dans Le Grand Bleu. Ok, ok. Je vais trop vite, je réfléchis même pas. Quel animal a-t-il été reconnu comme un être vivant sensible par le Code civil 2015? Avant, il était considéré comme bien un meuble, on l'a dit tout à l'heure. La loi contre la maltraitance animale promulguée en décembre 2021 ne prévoit pas l'interdiction, non, l'interdiction de transporter des animaux pendant plus de 8 heures, l'obligation de détenir une certification pour posséder un acte, un durcissement des peines en cas de maltraitance. Ah ! Ah ! Quoi ? Mais ça, c'est de la maltraitance ! On est d'accord que ça, c'est de la maltraitance, non ? Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est horrible. Abandonner son animal en refuge n'est pas répréhensible pénalement, vrai ou faux ? Faux ! Bah, c'est répréhensible pénalement d'abandonner... Ah, en refuge ! Oh putain, Charlotte, je lis pas les questions correctement. Oh, mais on sait, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Je lis de travers. Je suis vraiment pire, putain. De quand date la toute première loi de protection des animaux ? Je me demande si c'est pas 1850. Non, soit. Oh. À combien d'années de prison s'élève la peine maximale pour abandon de son animal ? Je me demande si c'est pas 5 ans. Mais il n'y avait pas 5 ans si c'était des cas extrêmes. J'ai lu ça sur le site. Tant pis. Et jusqu'à combien peut s'élever l'amende ? 45 000. Putain, je suis salée. Hein. Je suis salée parce que je fais des erreurs à la con. On va voir si vous avez bien retenu les risques d'une personne en cours en abandonnant son animal. La peine de prison peut aller jusqu'à 5 ans. Vrai ou faux ? Bah non, t'as dit 3 ans ! Mais... Non mais là, craque dur ! Craque dur ! C'est moi qui ai pas compris ou c'est pas possible ? On va voir si vous avez bien retenu les risques qu'une personne encourt. La peine de prison peut aller jusqu'à 5 ans et est de 45 000 euros d'amende. C'est faux ! Parce que c'était 3 ans ! Mais sur le site, il y a des moments où c'est écrit 5 ans ! Je suis pas énervée. Je reste fraîche. Je passe. Tant pis. Tant pis, j'ai perdu. Sniff. Félicitations, vous avez terminé le quiz. Ouais, bah c'est bon, j'ai que 43 points, c'est nul à chier. J'aurais pu faire mieux si j'avais pas fait n'importe quoi. Bref, on a fini le quiz. Et le chat est parti chier pour l'occasion, bien sûr. C'est sympa ces petits Chopins là, non ? Ça nous a bien détendu. Oh, je suis salée. Oh ! On se court en fait. On repasse sur le PDF. Ouais, je pense qu'on peut enlever les motons de lit. Je pense, hein. Je pense que tu peux enlever les motons de lit, ouais. Et on va débrief. On débrief, hein. On débrief, hein. Attends. Faut que j'apprenne à ouvrir un PDF déjà. Quelle race de la reine d'Angleterre ? C'est le corgi. Bah oui, mais non, mais en fait, le problème, c'est que je vais trop vite. C'est que je vais trop vite. Mais c'est ma vie, hein. Je lis de travers, je vais trop vite. Du coup, je comprends à l'envers. Voilà. Bon, on se refait pas. Hein. Ça va pas attendre 3 ans que je vais m'y refaire. En vrai, il y a des questions, on va pas se mentir. Les deux dernières, même Crack Dur a vu que quand même, c'était quand même... Attendez, le chat qui m'appelle. Napo, viens. Viens. Napo, viens. Viens là, chouchou. Il a pas l'habitude que je stream le soir sur la mezzanine, il est en panique. Ok, je vous ai remis le PDF ? Pas du tout. Oh, je suis tellement... Alors que le Chopin, hein, en a été où ?
Moi, ça, sur le site, j'ai vu à des endroits que c'était écrit 5 ans. Alors, il y a quand même des petits couacs. On parlait de l'opération Doyen. Le pire, c'est quand tu connais la... Tu disais la réponse juste avant, mais que tu cliquais l'inverse. Mais ça, c'est... je suis la pire hein, pour ça. Ça, mais ça, c'est habituel, en fait. Ça, c'est... c'est souvent comme ça. oui, alors qu'elle oublie qu'il y a du temps. Ben, en fait, c'est pas que je l'oublie, c'est que, tu sais, t'es concentré, tu réfléchis et tout. Et du coup, voilà, quoi. J'oublie. Je vous cherche sur le site. En gros, tu peux adopter des chiens qui sont dits seniors. Et je crois que 30 millions d'amis prend en charge quelques frais veto, voilà, à hauteur de 600 balles, je crois, par an. Si je ne m'abuse, j'arrive pas à trouver. Je vais aller sur leur site. Et c'est vraiment pas mal. Oui, Napoléon. Ah, oh, bah je pense que tout le monde t'entend. Ah, elle va te laver le fiac, non ? En gros. Et donc, c'est ce que je vous disais. Ah bah, attendez, je vais vous montrer. On n'est plus dessus, là. Tac. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. En fait, là où j'ai mélangé, regardez, c'est parce que là, c'est écrit le refuge de la Tuilerie. Et en fait, c'est CHU de la Tuilerie dans les questions. Et du coup, J'ai mélangé. Par contre, Chopin, t'es gentil. Tu m'as bien aidé. Mais à tout à l'heure. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? J'ai oublié. Ah, je voulais vous montrer l'opération Doyen. Tac. Non, alors ça, c'est trop triste. Ça, c'est horrible. Enfin, en vrai, si vous avez le cœur accroché, vous pouvez aller voir. Mais le monde, c'est pas chez les chiens. En gros, l'opération Doyen, c'est vraiment, vous pouvez adopter des vieux animaux, des animaux seniors, et 30 millions d'amis prend en charge 600 euros, je crois, pour aider les poupous. Refuge de la Tuilerie avec laquelle je bosse pour des dons alimentaires. Mais ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est trop, trop bien. Mais alors, par contre, pourquoi je trouve pas... Ça, j'avais appris ça. Ça, j'avais appris ça. Doyen. Voilà. Ah. En 2013, l'opération Doyen. 782 doyens adoptés en 2013. C'est beau, hein? Les chiens du plus âgé ne sont pas les premiers à séduire les familles à la recherche d'un compagnon. Parce qu'ils sont en majorité malades. Pour encourager l'adoption de ces animaux seniors, régler ses éventuels frais vétérinaires à hauteur de 600 balles. Surprenant de facture. C'est quand même vachement cool. Parce que quand on voit, par exemple, le chat de ma famille. Ah, c'est bon, ils déduisent la question. Le chat de ma famille, le chat de ma maman qui a vécu quand même 19 ans. Tu te dis, si tu adoptes un animal qui a 10 ans, tu peux quand même partager un bon moment avec lui, quoi. Je crois que c'est par an. Hein. Enfin, je faudra leur redemander. Je trouve pas sur le site là. Si je regarde sur mes fiches. Je m'étais notée sur mes fiches. Mais non, mais jure ! Chatons ! Coucou les chatons ! Comment ils vont les chatons ? Merci beaucoup pour le raid, chaton ! Comment ça va ? Non, mais alors les sites obscurs, ouais, ouais. En fait, j'arrive pas à trouver hein, sur leur site. Franchement, j'arrive pas à trouver. L'info est pas assez bien mise en avant, je trouve. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va les chatons? Bonjour tout le monde.
Mais vous arrivez pendant le tournoi auquel je participe. Et merci So d'avoir offert un abonnement à Chaton, c'est trop gentil. Merci beaucoup So. L'événement auquel je participe et que So également et où So a participé également pour 30 millions d'amis bien sûr, pour enfin surtout contre l'abandon de nos petits poupous chatons d'ailleurs aussi, nos petits poupous chiens et des poupous les animaux. Voilà, donc on est là-dessus. Donc on essaye de sensibiliser au maximum. On a fait une petite game de Fall Guys, là on a fait un petit quiz qui était super intéressant sur la fondation, sur les animaux. Et donc là on continue le PDF, je sais pas ce que je vous montre, mais c'est bon, c'est ça. Player Twitch bug beaucoup chez moi ce soir, merde. Ouais, j'imagine t'as réactualisé et tout. Donc en fait, l'opération doyen, c'est ça, c'est des animaux seniors où 30 millions d'amis permet de participer aux frais veto pour ces petits poupous. J'ai fini 24e à égalité, c'est le point de règlement du classement de la troisième game qui m'a éliminé. Oh le seum. Non mais ils sont trop méchants, So. Adopt Don't Shop, c'est ça. Et n'hésitez pas à aller dans les refuges. C'est vraiment important. Comme on disait, hein, y a 100 000 abandons par an en France. On est les meilleurs, hein, super là-dessus. Il y en a 60 000 qui sont abandonnés juste au moment de l'été. Franchement, c'est juste abusé. Et pensez aussi à stériliser vos animaux. Ça c'est important aussi, et c'est ce qu'on voyait, les chiffres sont assez accablants. Quand vous voyez un couple de chats, sur 4 ans ça fait 20 000 chats. Donc voilà, faut se responsabiliser, c'est important. Très important. Donc là, c'était ici que je l'avais lu du coup l'opération doyen, c'est pas sur le site. On aura les réponses à toutes nos questions. Donc c'est ce qu'on disait, c'était favoriser l'adoption des chiens seniors pour pas qu'ils finissent leur vie en refuge et qu'aussi, par la même occasion, occupent la place d'un autre petit poupou chien qui pourrait également lui être sauvé. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est qu'au bout de 8 jours, quand un animal est en fourrière, au bout de 8 jours, ils sont obligés de l'euthanasier s'ils n'ont pas trouvé une place dans un refuge. Donc c'est important aussi, quand vous allez adopter un animal dans un refuge, c'est que vous sauvez votre animal, mais vous en sauvez aussi un deuxième. Et ça, c'est vachement important. Franchement, voilà. Donc, il y a 120 refuges partenaires en France. Donc, les chiens seniors de plus de 10 ans, c'est ce qu'on disait. Chaque année, cette opération lancée par la Fondation 30 millions d'amis permet à des centaines de vieux chiens abandonnés de retrouver la chaleur d'un foyer. Et merci Lastkowi, pardon, pour le follow. Bienvenue à toi. À tout bête qui adopte un vieux chien, la fondation s'engage à prendre en charge les frais vétérinaires de son nouveau compagnon, souvent un frein à l'adoption. C'est vrai que plus votre animal est âgé, forcément il y aura peut-être, comme pour nous, un peu plus de soucis de santé. Encore que Napoléon, mon chat, a 5 ans et que je suis chez le véto tous les mois, donc ça veut rien dire. Hein. Sur présentation de facture, la fondation réglera jusqu'à 600 euros de frais. Et merci Ossine pour le bienvenue à toi. En 2021, c'est plus de 360 000 euros d'aide aux adoptants des doyens qui ont été versés par la fondation. Et c'est vachement beau. Des bisous chatons, bon appétit. Bisous bisous. Et merci encore pour ton raid, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et merci Olixon pour le follow, bienvenue à toi. J'essaye de suivre en même temps s'il y a des règles qui pop. Par contre, il faut pas qu'on lance Golfit, hein, parce que je suis alors là par contre Golfit. Le site Nos Vacances Entre Amis, qu'on parlait tout à l'heure, c'est que si vous êtes un peu stressé, vous allez partir en vacances, vous savez pas comment vous organiser avec votre animal, que ce soit un chien, un chat, vous avez le site nosvacancesentreamis.com sur la meilleure musique du monde. Je l'ouvre dans un autre onglet, bien sûr. Tac. Qui est un petit site fort sympathique. Vous avez une carte interactive qui regroupe plus de 36 000 adresses de lieux de villégiature qui acceptent les animaux. Parce que quoi de mieux d'aller à la plage et de pouvoir y aller avec son petit chien, et que ce soit légal, bien sûr. Donc ça, c'est super sympa. Je trouve que ce concept est vraiment très cool. Pareil, des systèmes d'hébergement, etc.
Et puis si vous faites, si vous pouvez pas comme moi partir avec votre chat par exemple, il y a des pensions, des cat-sitters aussi qui viennent une heure par jour chez vous pour gérer ça. Et donc il y a des solutions. N'abandonnez pas vos boubous. Falloir biper les douces paroles. C'est comme on va passer le live comme ça, toute la partie de Golfit. Des grandes campagnes nationales de sensibilisation pour dénoncer l'abandon diffusées régulièrement sur tout le territoire et qui sont un crève-cœur à chaque fois. Si le cœur vous en dit, vous pouvez les retrouver sur leur site. Personnellement, je préfère ne pas les regarder parce que sinon je chiale comme une merde. Donc voilà. Et il y a aussi un film poignant pour la vie qui était également horrible. Après, c'est important, peut-être que... Enfin, j'espère que ça touche certaines personnes qui prennent conscience des choses. Je le souhaite. Mais j'imagine que oui. J'ose y croire. Qu'est-ce qu'il dit, Majorin ? Merci pour les follow. Bah, j'ai dit merci aussi. Non, mais il est gentil, Majorin. Je lui ai dit d'être gentil aujourd'hui. Du coup, il est gentil. Alors, les justiciers du cœur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre hauteur ? Bien sûr, bah, c'est de sensibiliser. Hein. Après, même si, comme j'ai dit, vous sensibilisez, vous, les habitués, on est un peu tous pareils. Mais peut-être que ça peut faire écho à d'autres gens, etc. etc. Et c'est important. Jusqu'à quand ? Bah, jusqu'à la fin du live. Après, il reprend son costume de Majora. Fin de l'épreuve 2 ? Mais attendez, ça veut dire que j'ai fini trop tôt ? Oui, il y en avait qu'un, hein. C'est bon, hein. J'ai pas chié dans la colle. Mais attends, comment ça se fait qu'ils ont seulement fini ? On est d'accord que j'ai fini il y a au moins un quart d'heure. Coucou la Zouad ! Écho, le dauphin. Comment ça va la Zouad ? Alors, soit j'ai été trop rapide, soit j'ai loupé des trucs. Oui, il y en avait qu'un, ok. Ouh, je suis allée juste trop vite. J'espère que Crack Dur a relevé le nombre que j'ai fait parce que moi j'ai tout quitté, hein. Voilà. Bon après je crois qu'on s'est connecté avec un mail, ça a dû remettre un tableur. Enfin j'espère, parce que je sais pas combien. On regardera la VOD au pire. Comment ça, il y a des questions, verso? Mais tu sais que je suis un peu ce genre de personne. Hein. Ça s'enregistre automatiquement, ok. Non, je crois que je devais avoir, je sais pas, une trentaine de points, un truc comme ça. Speedrun du quiz. Bah j'ai un peu... Après, il y a un moment, si tu sais pas, tu sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas inventer. T'as un pifomètre et puis tu y vas au pifomètre. Mais franchement, j'ai quand même retenu pas mal de trucs. 43. Let's go. Alors du coup, nous, en tant que justiciers du cœur, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'abandon? Bah sensibiliser, comme je vous l'ai dit. Même si vous l'êtes déjà. Il y a peut-être des gens qui passent ici, qui ne sont pas habitués et qui pourront éventuellement être sensibilisés à ça. 430. Ah voilà, je préfère ça. Donc voilà. On peut diffuser aussi sur les réseaux, si vous voulez, le hashtag non à l'abandon. Et merci Jox pour le follow. Bienvenue à toi. Bien sûr. Donc c'est ce que j'ai fait hein, quand on a partagé pour l'événement. C'est important. Et quand vous les avez retweetés, ben vous avez aussi partagé ça. Donc c'est important. Je suis sensibilisée, c'est bien. On peut rappeler, comme on l'a dit et qu'on l'a vu dans le quiz, que l'abandon d'un animal, c'est 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. C'est malheureux de devoir rappeler les sanctions. Mais c'est gentil, Jox. C'est malheureux de devoir rappeler des sanctions. Mais s'il faut passer par ce genre de choses pour sensibiliser et faire prendre conscience aux gens qu'un animal, c'est pas une chaise, eh ben, on le fera. Et que, bien sûr, c'est ce qu'on a dit aussi, quand on prend un animal, c'est pour longtemps. C'est pour longtemps. Et on le prend pas et on le jette pas quand ça nous plaît plus. C'est important. On le prend du début à la fin. Avec ses défauts aussi. Et c'est important. Et que je le rappelle, ça coûte cher d'avoir un animal. Que ça soit un chien, un chat, un lapin, c'est de l'entretien. Il faut être disponible pour eux. Voilà, c'est pas une plante. Voilà, faut s'en occuper. Leur bien-être aussi psychologique est important. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi.
Pour rappeler qu'en 2015, la fondation... Ah, mais oui, mais ça, c'est quand même incroyable. On l'a déjà dit 15 000 fois, mais on va le redire. C'est quand même beau que 30 millions d'amis aient réussi à faire inscrire dans le code civil que le chat, le chien ne sont plus une chaise. Ils ne sont plus un bien meuble. Ils sont un être vivant doté de sensibilité. C'est quand même malheureux que ça date uniquement de 2015 et ça devrait être toujours comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Ça, c'est important de le rappeler aussi parce que pour moi ça n'a jamais été considéré comme un meuble en fait. Mais si, avant légalement, c'était un meuble. Et qu'on me le disait aussi, adopter un animal, ça permet de sauver deux vies, celui qu'on adopte et celui à qui on a laissé la place pour qu'il puisse être récupéré, soigné, sociabilisé et non tué quoi du coup. Non à l'abandon, cet été encore, la tendance sera à l'abandon malheureusement. On le rappelle, 100 000 abandons par an, 60 000 à la période d'été. C'est terrible, c'est vraiment horrible. Voilà. Il y a un mini-site que je peux vous mettre dans le chat sur le site de 30 millions d'amis. Je me sers de Firefox. Incroyable. Donc la tendance sera à l'abandon. Si vous êtes sensible, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, les machins. Si vous êtes sensible, enfin voilà. Moi je sais que sur le site de 30 millions d'amis, tout ce qui était par rapport à la corrida, j'ai pas pu. Moi je peux pas regarder, ça me fend le cœur, je peux pas. Donc voilà, il y a le site dans le chat, le renard de feu, bien sûr. Si ça vous intéresse, voilà. Afin de donner un maximum d'écho à cette campagne, vous pouvez partager le nom à l'abandon sur tous vos réseaux. Et d'ailleurs, ceux qui ont adopté des petits poupous chats, des petits poupous chiens dans des refuges, n'hésitez pas à les poster sur Twitter. Vous mettez une petite photo de votre poupou et avec un petit hashtag nom à l'abandon. Et coucou juste, ça va? T'as mec, je suis passé Fall Guys. Et juste, je suis passé Fall Guys. Truc de ouf. OMG. Ouais, et là, on a fait le quiz. Mais il y a des fois, je lisais un peu de travers. Je disais, ah oui, mais ça, c'est ça. Et puis, je répondais à autre chose. La pire. Mais donc, voilà. Tout ça pour dire que n'abandonnez pas vos poupous. Mais oui, mais Putain, franchement, plus toi, saut sur le fil, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Voilà, ça c'était la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses Mais non mais jure Stormbringer, merci beaucoup d'avoir offert un abonnement à Justin. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que vous questionnez? Moyen d'avoir le PDF sur le Didi? Je vais leur demander si c'est possible. Hop. Tac. Bah non, mais au pire, je mets un lien sur le drive, so. Il n'y a pas de souci. Je mets un lien sur le drive et puis comme ça, ils peuvent le télécharger. De quoi est composé l'univers? Aïe, 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 ça. Ah ça, c'est quoi la différence entre un refuge SPA et une maison d'accueil SPA? Alors la SPA, je t'avoue que j'ai pas appris du coup, parce que 30 millions d'amis, je pense qu'ils sont liés quand même un peu à la SPA, mais... Regardez. C'est pas les mêmes choses, hein. C'est pas les mêmes organismes. Après, un refuge, c'est là où tu mets de base. Un refuge, c'est là où tu récupères les animaux et que tu les mets potentiellement pendant une année jusqu'à ce qu'ils se fassent adopter. Qu'une maison d'accueil, ça va être par exemple les petits chatons que tu retrouves, qu'il faut qu'ils soient avec des mamans chats, des trucs comme ça, ou sociabilisés, que tu vas mettre là directement dans des familles pour les sociabiliser. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, moi, en tout cas. C'est comme ça que je le comprends.
J'attends la réponse, hein, je vous le donne après. En tout cas, sachez que j'ai appris tous mes post-it et que sur toutes les questions n'ont pas été posées. Et que je suis un peu dégoûtée. Mais bon, j'ai bien bossé. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Est-ce que je vous ai montré mon tas de post-it? Je vous l'avais montré en photo sur Didi, mais j'ai quand même un sacré tas de post-it. Hein. J'avais entouré tout mon écran de post-it. Non, j'avais pas... Je vous avais pas montré. Parce qu'en fait, j'avais mis tout des post-it autour de l'écran. Et comme ça, quand je bossais, de temps en temps, je pouvais lire une phrase pour essayer de mémoriser. Je suis vraiment la pire. Alors, l'aigle trompette. Alors, par contre, ça, il faut qu'on regarde sur Internet. Moi, j'avais pas envie de me taper la montre. J'avais envie de pouvoir répondre aux questions. Alors, attendez, parce que l'aigle trompette. Et ça. Oh. Oh non, c'est sur Facebook. C'est nul. Où est YouTube? L'attaque de l'aigle. Non, non. Je peux pas. C'est ok pour le PDF? Let's go. Méric. Alors attends. Il glatti, hein. Il trompette pas. Merci beaucoup, Soro. Bah du coup tout le monde y a accès, non, je pense. Vous y avez accès au lien? Ça pour moi c'est pas de la trompette. C'est pas de la trompette. Hein? D'accord, c'est pas de la trompette. Quoi? Quoi GG? Oh, oh mais non, je suis... Oh, oh mais non, mais la pauvre Trivia, je suis nulle à chier au golf. Je suis qualifiée au golf. Mais je suis nulle au golf. J'ai lancé... Non, mais je suis... Oh là là, sauce. Oh non, mais par contre, là, c'est la loose. J'espère que Trivia, elle va pas m'en vouloir. Oh, j'espère que Trivia va pas m'en vouloir. Ça va partir au lieu chaud, non. Est-ce qu'on a encore quelques minutes ou pas? Il avait dit pause de 10 minutes. Il a dit ça quand? À 17. À 38. Ok, il y a 10 minutes. Ok, super, à 28. Ah, elle va m'en vouloir parce que alors là, pour le coup, Golfit, j'ai pas du tout train. J'ai pas du tout train. Ah oui, mais du coup, il faut que je change des trucs là, c'est ça? Faut que mon nom sur... Il faut que mon nom change. Attendez. Gaming. La scène gaming, bien sûr. Ah, let's go! Amped, il est fort au golf en plus. Hein? J'espère qu'il est fort, Amped. Ah, mais il est pas. Amped, il est pas avec Trivia. Oh, quel enfer. Attendez, il faut que je change mon nom Steam, je crois. Pour qu'on puisse nous voir. Golfit. Du coup, modifier le nom. Putain. Oh la loose. Oh non, je vais lui. Oh non. Moi, je voudrais qu'elle gagne, Trivia. Attends, je remets la musique. Règlement, concept. Non mais imaginez on passe par magie et il faut aller sur Golfit. Je l'ai pas démarré du tout. 12 qualifiés, gna gna gna, équipe 1, à l'issue de la partie, gna gna gna, en cas d'égalité, gna gna gna. Ah mais ils mettent pas qu'il faut écrire le nom. Ah
Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire. Crac dur, t'es là ou pas? Bon, je vais mettre Little Big Whale. Hein. Je sais pas trop, entre crochets. Je crois qu'il fallait écrire ça, alors je suis pas sûre. Mais quoi? Mais il a changé le son, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais c'est un raccourci, je peux pas... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais... Il y a un raccourci sur Steam que je peux pas écrire. Attendez, si je fais ça là... Je vais pas le faire dans OBS, parce que si ça fait tout planter, j'aurai l'air fine, tiens. Oh! Attendez, j'ai un problème, je peux pas écrire crochet. Je peux pas écrire crochet. Est-ce que quelqu'un peut me faire un crochet qui ferme dans le chat, s'il vous plaît? Alors attends, je suis avec qui? Si c'est bon, je suis avec Little Big Whale. Ok. Merci. Merci. Donc c'est bon, le crochet. Donc c'est ça, crack dur, hein. Il faut mettre... Machin crochet, voilà. Oui, c'est bon, c'est ça. Ok. Boum. C'est fait. Et je crois qu'il faut mettre sur le stream aussi. Sauf que je sais pas où il est. Il nous l'avait mis à un moment, mais je sais pas où il est maintenant. Tant pis. Ah, si, c'est là. Team Little Big Whale. Ouvrir l'original. Télécharger. Est-ce qu'on a le temps de faire pipi, crack dur? C'était ça ma question. J'ai le temps de faire pipi. J'ai lu tout le PDF, je pensais que c'était terminé. Le golf. Ça va partir. Ah bah non, bah c'est bon, je vais me retenir. Femme va se retenir de faire pipi. Waouh, c'est gros. Vroom. Cours, cours. Non, non, mais c'est pas grave. Si ça va partir, je peux me retenir. Ok, je me dépêche. Attendez, faut pas que je joue. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et voici les games à rejoindre. Ok. Chercher une partie. Comment on fait pour chercher? Comment on fait pour chercher? Je l'ai pas. J'ai envie de canner. Je l'ai pas! Ah si, c'est bon, je l'ai. Ouf. Peur. Code, c'est ça. Non, vous rend... Il faut qu'on mette la musique de Golf With Your Friend. Hein. Lou! Lou! Que t'as le... Lou, est-ce que t'as l'OST?
Lou! Lou! Bonjour Triche, bonjour. Oh putain. Lou, est-ce que t'as l'OST de, du vrai jeu? Je sais pas si c'est ça. C'est pas du tout ça. Ah, oh, merci Majo. J'espère que c'est ça. Ah, parfait. C'est bon, c'est le même? C'est pas... Je sais pas quand est-ce qu'on on doit lancer. Pardon. C'est moi qui... Tout le monde attendait sur moi, en fait. Et regardez tous les post-it! Enfin, mensonge. Faut se mettre en équipe ou pas? J'aime pas. Je crois que oui, hein. Bon, vas-y, je m'inscris, hein, YOLO. Puis en fait, genre, j'ai été prise. Ah non, oh, c'est plus du tout YOLO là maintenant. Bonjour. Ouais, c'est là, faut être présente là maintenant. Bonjour, là, bonjour. Je crois qu'elle pouvait pas, non. Parce qu'elle a un déménagement ce week-end. Oh, je raconte sa vie maintenant, hein, c'est parti. Allô? Alors attends, bah, ouais, bon, ouais, allô, ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, comment on change le nom Steam? Tu vas sur profil, modifier profil et il y a le petit nom qui s'affiche. Profil. Et nous, du coup, on est sur le 1, on est face à l'équipe de Juice. Hein. Mais je sais même pas si c'est obligatoire d'être en. C'est quoi? C'est. Ah non, c'est. Je sais même pas si c'est obligatoire d'être en vocal. On va faire. Crochet. En plus, j'imagine que c'est pas trivial. Parce que moi, pour me concentrer, faut pas que je sois en vocal. Hop. Voilà. Oh, je suis bien là. Ah, je vais rester comme ça, tiens. Alors là, c'est deux partenaires, hein, c'est pas trivial, vous inquiétez pas. Coupe leur son, j'ai le droit, craque dur. Vous êtes dans la game, c'est bon? Je viens de changer mon pseudo au cas où, parce que oui. J'ai tué. Oui, oui. Ok. Par contre, je voulais savoir, on peut mute ou pas? C'est juste pour se concentrer. Vous voulez, ouais, ok. Ouais, bien sûr. Marche. C'est bon, je suis dans la game. Bah, rejoignez vite qu'on puisse lancer, il nous manque. Ouais, j'arrive. Je vais voir le deuxième équipe. Hop. Bon courage à toutes et tous. Merci. Merci. Hop, le code. Non. Ah oui, non. Le code. Voilà. Moi, je suis en mute, hein. Je suis désolée, mais j'ai besoin... J'ai besoin de pouvoir dire des conneries, en fait. Ah, au secours. Il y a tous les moustiques qui rentrent chez moi en bas parce que je pensais avoir fini, j'ai peut-être ouvert. Je vais me faire des glingues. Ouais, mais je pense que les streamers, les vrais streamers, ils seront pas avec nous. En vrai. Mais je crois que Luni est pas mal forte, hein. Bah écoutez, moi j'ai pas du tout train Golfit. Donc ça va être au pif. Faut m'être prêt? Là. Je sais même pas où on m'est prêt. Non, au secours. Bon alors, il y a les collisions. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que qui dit collision dit si tu tapes, voilà, ce genre de pratique là. Pardon. C'est bon, moi j'attends. De toute façon, je bouge pas, moi j'attends qu'il s'en aille, hein. J'ai trop peur de leak, moi. C'est bon? J'arrive... J'ai le palpitant de ouf. Je tremble trop. En plus, faut tout gérer à la main. Laisse tomber. Ah!
Ça va. Moi par contre, je veux pas jouer à Tricky Tower. Moi en fait, je veux pas jouer à Tricky Tower par contre. Comment on fait du coup? Parce que j'ai pas du tout envie de jouer à Tricky Tower moi. Ah merde. Ça a marché, on répète ça. Pas du tout. Ok, allez Nick. Tant pis. J'ai tout choc. Mais tu voulais que je fasse ça quand, Majo? Je bosse et tout ça. Tu voulais que je fasse ça quand? C'est pas grave, je dirais des conneries. Oh putain. Au secours! Au secours! Qui, pardon. Oh non, mais là, c'est impossible d'y retourner en une fois. Oh, fait chier. Il y a encore du monde derrière, ouais. Putain, fait chier. Moi, je tryhard, en vrai. Faut que j'arrête de tryhard. Vas-y, trivia! Gagne! Putain, mais ils attendent en plus. J'ose pas bouger. Ouais, parce que là, je tombe dans le trou, hein. Ok, ok, ok. J'y arriverai pas! Comme trivia! Les deux, là, on n'y arrive pas! Allez! Charlotte. Non, mais j'y arriverai pas. J'arrive pas. J'arriverai pas à monter. 40 secondes. J'ai déjà 9 coups. Je suis trop une brute, putain. Je suis trop une brute, au secours! Au secours, aidez-moi! Je veux mourir! Je veux plus jouer à ce jeu! C'est vraiment le pire jeu. C'est vraiment le pire jeu. Putain. C'est vraiment le pire truc, les collisions. C'est vraiment le pire truc. Non, Tricky Tower, c'est pareil, hein, c'est la même merde. Oh là là. Je crois qu'en plus sur ma note, j'ai écrit pas trop fort. Pas trop fort. Je deviens fou, moi, ce jeu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape fort. Comment elle est trop... Mais pourquoi elle est trop deck de quoi que ce soit? C'est moi qui suis trop deck de pas lui offrir des points, là. Ah mais là, l'objectif, c'est gagner. Enfin non, même pas, parce que j'ai pas envie d'aller faire du Tricky Tower, en fait. Ouais, bien sûr, Charlotte, pas trop fort, on t'a dit. Celle-là, tu l'as fait en deux coups, normalement. Super. Oh putain. Reste fraîche. Paf! Bisous, Luciole! Bisous, bisous! Ah, j'espère pas passer, putain! Coucou, Malk! Comment ça va? Non, mais moi, je veux pas jouer à Tricky Tower. J'aime pas du tout ce jeu. C'est vraiment le pire jeu de l'humanité. Ouh! C'est bon, je suis dedans. Les mots sont dits. Ah bah clairement. Hein. Je commence à avoir un peu faim aussi. Après, moi, mon objectif, c'était d'aller à Golf Fit en vrai. Objectif atteint. Voilà, alors c'est que du bonus. Enfin, du bonus. Non, parce que Tricky Tower. Moi, j'ai pas du tout envie de jouer à Tricky Tower. Hein. Voilà, et là, t'attends qu'on te pousse. Poussez-moi. Non, en fait, me poussez pas. Hop. Pair. Bah, franchement, ça passe mieux avec cette musique, Lou. Hein. On va pas se mentir. Hein.
Tricky Tower, c'est le pire jeu de l'humanité, Perceval. C'est une espèce de Tetris où tu t'en fous plein la gueule des... avec tes collègues, tes camarades. Et moi, je suis vraiment très très nulle à ce jeu. Je sais d'avance que je ne peux pas gagner. C'est... Je suis nulle à chier à ce jeu. J'ai beau avoir 3 heures sur le jeu. Celui-là, je le fais en 1, normalement. On s'est tous poussés. Les collisions, oui, qui foutent. Ouais, mais c'est de ma faute, j'aurais dû attendre un peu. Bah, Tricky Tower, moi, ce que je voudrais, c'est que vous me dites, en fait, ce que je dois faire. Enfin, dans le sens, qu'est-ce que c'est que cette map, tu vois. Bah, super, j'ai voulu prendre un cut, j'ai loupé. Trop fort. Pas assez fort. Nick. C'est bon. Oh, j'ai chié dans la colle. Oui, la map avec la glace, en fait, ça glisse, hein, sachez-le. Sachez que quand vous êtes sur la neige, ça n'a pas du tout la même adhérence que quand vous êtes sur la glace. C'est vraiment le pire jeu. Hein. Non mais Golf It, c'est vraiment le pire jeu. Par contre, il est beaucoup plus réaliste que Golf With The Friends, ça c'est sûr. En vrai, ça aurait très bien pu être Golf With The Friends, où on est 12. Hein. Coucou, rien de rien, coucou. Bah, c'est plus réaliste, Dwight, quand même. Dans la façon de tirer, par exemple, c'est plus réaliste. Oh, j'ai pas été assez fort, j'ai envie de me faire du mal. J'ai peut-être meilleur temps de repartir, en vrai. Oh non! Trivia la pauvre. Hop! J'espère que je l'ai poussé un peu. Moi, les jeux de golf, c'est pas trop mon truc. Même Golf Gang, j'ai pas. Ça me dit rien. En fait, c'est des jeux qui sont là pour t'énerver. Je trouve. Franchement, je suis nulle à chier là. Je suis la dernière. J'ai de choke avec le 14 là. Faut qu'il y en ait qui choke. Non, j'ai chié. Hein. C'est pas grave. Non, je suis la dernière. Je suis la dernière. Oh, je t'ai poussé. Chier. La dernière jeu PUBG, je pense que je suis meilleur à PUBG qu'à Golf It, hein, voilà. Je pense. Hein. Ah oui, ben voilà, mais il faut leur dire qu'en fait... En fait, pour gagner, c'est celui qui est dernier. Ah, j'ai vraiment de choc sur 1, sinon c'était ok, quoi. À peu près. Bah en fait c'est que j'ai été bloquée dans un coin avec les collisions et pour y ressortir c'est vraiment de la merde quoi. Bien sûr tu vois ce genre d'angle à la con. Donc je vais attendre histoire de me faire pousser. Bien sûr personne va me pousser. Ce genre d'angle à la con, tu vois par exemple. Bah ouais. Bon, on l'a déjà fait, non? Quoi? Ah, y a quelqu'un qui a planté? Ok. Mais attends, on vient de la faire. Ah. Oh non, alors celle-là, par exemple, c'est pire que tout.
c'est. Le jeu à crash pour le monsieur. Ah, c'est bête. Attendez, me poussez pas. Pire jeu. Pire jeu. Avec la glace, c'est vraiment le pire truc. Celle-là, je choke H24 en fait. Jure Wendell. Vas-y, ça me saoule. Ça y est. Merci beaucoup Wendell pour le 23e mois de soutien. Non mais ils me refont sortir, ils sont sérieux. Et moi j'emmène dans ma chute mes deux camarades. Trivia, va falloir avancer. Pense balle, deviens la balle. Non mais c'est le pire jeu, Sim. Vas-y Trivia. Tu veux que je te pousse Trivia? Est-ce qu'elle veut que je la pousse pour lui faire un coup en moins? En fait, j'ai pas envie qu'elle perde, mais elle sait que là, elle va perdre. Il faut qu'elle, faut qu'elle avance. Je pense que... Ah, ok. Désolé, hein, Trivia. Hein. Oh, putain. Ça va être compliqué, du coup. C'est bon, elle est revenue. La peau. Ah, mais non, en plus, elle veut me taper dessus. 20 secondes. J'ai essayé de la pousser pour la faire avancer, mais ça n'a pas marché. Mais arrêtez de dire qu'elle est triste. Elle est pas triste, elle s'en veut. Et c'est le jeu, hein. Et c'est le jeu avec les collisions. Hein. Les collisions, c'est le pire truc, hein. Je pense que saut, là, on l'aurait perdu. Hein. Oh, j'ai envie de m'ouvrir les pieds. Alors n'hésite pas, So, à lui répéter que je suis désolée de la faire perdre. Voilà. Que j'ai complètement choke et que je me suis absolument pas entraînée à Golfit et que ça se voit. Voilà. N'hésite pas. Hein. N'hésite pas à lui dire, bien sûr. Que je ne pensais pas du tout atteindre ce moment, quoi. Non, mais voilà, ça n'arrive jamais normalement. Brute, épaisse. Si, si, mais si, si, so. Non, mais s'il te plaît, quand même, faut quand même pas déconner. T'as vu où je suis là? Je suis passé au travers du truc, quoi. J'ai envie de me broyer les pieds! Jeu de merde! Jeu de... Allez, t'énerve pas. Là, je suis complètement énervée. Là, je n'en peux plus. J'arrive pas. En fait, vous jaugez avec la force que vous mettez dans votre souris. Donc, pour se souvenir de la force que t'as mis autour d'avant, quand t'es moite, si tu veux, c'est un peu compliqué. Allez, là, c'est la bonne musique. Ok, c'est bon. Oh, je choke tellement fort. Je choke tellement fort. Regardez-moi ça, la honte. Eh si, elle doit être dégoûtée, Trivia, la pauvre. Oh, putain, mais So, on était tellement complémentaires, quoi. Oh non, mais celui-là, s'il te plaît. À peine moins, mais... Comment tu te souviens de ce que t'as mis? Ça veut dire quoi, me bumper? Quoi? Quoi? Je suis pas tombée, qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais putain, mais jeune merde! C'est vraiment le pire jeu! Moi, je suis tant mieux que je passe pas, parce que jeune merde! Saute! Voilà. Mais non, mais c'est moi qui l'embête, la pauvre Trivia, je la fais perdre. Je la fais complètement perdre. La pauvre. Elle mérite pas ça. Elle mérite de gagner, Trivia. C'est la plus gentille. Ah, je suis déçue pour elle, du coup.
Ah là là. Franchement, j'aurais eu 2-3 jours de plus, j'aurais peut-être train un peu Goldfield quand même. Mais ouais, pas le time. Titi ! On va train golf IRL. Bah, c'est plus sympa. Hein. Bon, voilà, je suis qu'une une brêle. Let's go ! Bisous, bisous. Oh la pauvre, on est les trois dernières, elle doit être au fond du gouffre. Oh non, la pauvre. La pauvre. T'as toutes les strats. Ouais, mais moi en fait, j'arrive pas à me souvenir. Si tu veux, je l'ai fait une fois, celle-ci. J'avais fait des très bons trucs, j'étais à 58, je crois, points. Tu vois, là, j'ai 70 et quelques, quoi. Can we do normal solos after? Alors, par contre, votre playlist, c'était pas la bonne, hein. Heureusement que c'est terminé. Tant pis, hein. L'important, c'est de participer. Bah, moi, en fait, je suis dégoûtée pour Trivia, en fait. Je suis déçue pour elle, quoi. Non. Non, il n'y a qu'une partie. C'est déjà une partie de trop sur ce jeu de mort, là. Oh, la pauvre Trivia, vas-y, je suis dégoûtée pour elle. Tant pis. Bah, en vrai, c'était quand même sympa, cet événement, hein. Je suis allée plus loin. J'ai fait mes objectifs. J'ai fait mes objectifs. Oh non, ma petite sœur. Bah ouais, mais franchement, comme quoi vraiment il y a une RNG sur tous les jeux, finalement, il y avait une RNG, quoi. T'avais RNG sur Golfi, t'avais la RNG sur Fall Guys. Puis bah quiz, c'est un peu pareil quoi, parce que bon... Voilà quoi. C'est déjà ça passe ou... Non, c'est déjà ça passe pas, moi je suis dernière là. C'est normal, enfin voilà, j'ai juste envie de... J'ai juste envie de serrer contre mon cœur Trivia puis de dire je suis désolée. De toute façon on va clairement raid Trivia. Je pense que ça vous va pour continuer de regarder l'événement parce que c'est pas fini. Moi je vais faire la même mais dans mon canapé et je vais chialer un petit coup. Attends. Hop. Puis moi je pense que je vais chialer un petit coup hein, bien sûr. Ouais, non, bah, je pense que oui, Amped a dû... Enfin, j'espère qu'il est qualifié. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal d'être un peu triste. Parce que Little Big Whale, voilà, moi, je l'aime beaucoup. Et ça m'embête pour elle, en fait. J'aurais bien aimé qu'elle puisse compter sur moi. Puis, bah, voilà, j'ai pas train, donc voilà. Je pense que, en vrai, pour être sincère, même si j'avais train... C'est trop aléatoire ce jeu. Les gens qui sont bons à Goldfield sont franchement ont tout mon respect. Après je préfère voilà Tricky Tower. Bon. En tout cas ouais c'est vrai que je pensais qu'on n'avancerait pas aussi bien. Du coup cool quoi. Tac tac tac. Voilà, on a fait on est passé en phase 3. On était dans les 12. So méritait autant que moi cette place, je tiens à le dire, parce que pour avoir fait les sessions, on a fait les sessions d'entraînement ensemble. Et franchement, voilà. C'était. Je pense que So et moi, on aurait fait un groupe les deux. Moi, je faisais Fall Guys et le reste, c'était So et c'était bon, quoi. Ouais, bah le stress, en fait, là, dans la souris, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, je vous explique, là, il fait 29 degrés et je suis moite.
Et en fait, j'ai vachement de mal déjà de base à jauger le jeu avec la souris. Golfit, c'est vraiment un jeu, si vous voulez, où à chaque fois que tu recules et que tu pousses, si tu pousses différemment que d'habitude, c'est pas du tout la même pression que tu mets. Donc ça va plus loin ou moins loin. Et là, vu qu'en plus je suis moite, j'accroche à mon tapis. Mais bon, ce ne sont pas des excuses dans tous les cas, Golfit, je suis une merde. Mais en entraînement, en tout cas, j'ai fait une ou deux fois les maps en off, lundi après-midi et hier après-midi. Et j'étais quand même meilleure que ça. Donc je suis un peu dague. Mais voilà. En tout cas, vous êtes tous beaux, vous êtes tous grands. J'espère que cet événement vous a plu à regarder. J'espère que ça apportera quelque chose pour les poupous. Je sais pas trop si j'ai le droit de couper. Je pense que oui. De toute façon, voilà. Je sais pas. Hein. Je pense qu'on va arrêter Trivia. Ça serait bien qu'on lui mette un petit message dans le chat et qu'on lui mette « Je suis désolée ». On dit « On est désolée ». On était nuls à Golfit. Voilà, on lui écrit ça, puis vous lui mettez un petit cœur, n'importe quel petit cœur que vous avez de n'importe quel streamer, bien sûr. Vous lui écrivez ça à Trivia. Ok, on va mettre une petite musique qui danse pour se défouler de la fin, là. Voilà, et je vous envoie chez Trivia. Moi, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été avec moi, vraiment, vraiment, ça me touche beaucoup. Poupou, on vous dit au revoir, parce que Poupou, il a besoin de sa petite mamounette, là. Et je vous fais des gros bisous, et je vous envoie chez Trivia, donc me lâchez pas, on continue, on spam son chat en arrivant. Alright, on met la musique à quoi à fond parce qu'on a besoin. Et on se retrouve demain, 13h, A Way Out avec Romain. Voilà. Bisous. Je vous aime très fort et félicitations encore à toi aussi, So, pour tout ce que tu as entrepris également. Des gros bisous à vous tous. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Et à demain. Taratao. Et bien sûr, non à l'abandon, le PDF, je vous fous le lien du Drive sur Discord. Tida, 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 di. Da, 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 da. Le message pour Trivia. Non, 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 des choses ballot. Bada, ba, 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 ba. Ouh. Da, di, da, 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 do, di, di, da, di, da, di, do. Merci à tous. Je vous aime fort. Na, 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 ta, ta, la, 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 la. Et on n'oublie pas le message. On lui met ça. Gros bisous, à demain.